Voici les 5 meilleures vidéos sur Mommy Long Legs jamais créées dans l'histoire de YouTube. J'ai joué à son hobby impossible. J'ai également mis le bazar dans la ville avec elle. J'ai aussi tenté d'atteindre Mommy Long Legs avec un kart. Ai-je réussi? C'est ce que nous allons voir, c'est parti. Bon les amis, une chose est sûre, c'est que l'usine, elle a bien changé. Je reconnais plus du tout Poppy Playtime pendant que... qui s'immiscine nous souhaite la bienvenue juste là-bas. Bon, très bien. Alors écoutez, on va tenter de... Waouh! Elle est déjà là, elle! Mince, regardez, il y a déjà Mommy qui est juste là. Oh, mais c'est trop stylé. En fait, son bras, il vient longer le mur comme ça, en peinture. Attendez, c'est un vrai bras ou pas? Oh, non, c'est un vrai bras, en fait. On va éviter de rester là. Ce personnage, c'est un véritable mystère. De toute façon, on est là pour le percer, ce mystère. Donc, on va tenter d'y arriver. Oh. Regardez Oggy Woggy là. Les amis, il se fait attraper par Mommy comme dans le trailer du chapitre 2 de Poppy Playtime. Bon, eh ben on va se contenter d'avancer en espérant de ne pas se faire attraper par ses bras qui sont aussi longs que le tour de la Terre, je pense. Je pense qu'elle est capable de faire le tour. Vous voulez la voir ou pas? Non, il y a un mur invisible. Pour l'instant, on peut pas la voir. Et what? Qu'est-ce que c'est que ce dire? On peut pas passer là. Regarde celui qui s'immiscie. Alors apparemment, qui s'immiscie, t'es juste après, toi. Je t'ai vu sur le trailer là, et t'es juste après. On va te rejoindre, t'inquiète pas. Par contre, ça serait bien que vous m'envoyiez une poubelle ou quelque chose que je puisse traverser. Oh, une voiture. Une voiture, c'est très bien aussi, hein, mais juste faites ça vite, quoi. Allez, viens. C'est... Ah, je peux monter là. Ah ouais, ça va peut-être m'aider à... Mais j'arriverai jamais à sauter sur la voiture, attendez. Il faudrait que j'aille là-bas, peut-être. Ah, mais je peux utiliser ça. Hop là. Ouah, c'est bon, ça passe. Tout va bien pour l'instant. Alors maintenant, est-ce qu'on tente d'aller sur ce petit truc ou on... Non, on va attendre que les plateformes arrivent. On va pas prendre de risque, hein. J'ai pas envie de me faire emporter par cette lave. Alors, petite plateforme ici. J'ai trop envie d'aller sur la voiture. Yep, voiture. Là, on est trop bien. Bon, bah non, c'est plus facile. Voilà, nickel. Merci, petite voiture, à tout à l'heure. J'espère te revoir en forme. What? Mais non, c'est bon, il y a la caisse qui... Et alors, c'est ma tête là qui... C'est ma tête qui pourrait bloquer le truc. Je suis plus que la caisse, j'ai cru que j'allais me faire défoncer. Ok. Ça complètement... Je sais pas qui c'est qui a détruit le truc, mais c'est un truc de fou. Hop là, c'est bon. Waouh, c'est ce qu'on a vu donc dans le trailer juste avant. Et elle est incroyable, cette tête de Kissimissi. On peut aller ailleurs ou pas? Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'intérieur? Elle a des dents de fou. Est-ce qu'elle tue ses dents? Oh, ouais, effectivement. Oh là, j'ai la tête entre les chevilles. C'est normal ça? Bon bah très bien, je vais faire attention, Kissimissi. Je ne te veux pas de mal. Par contre, j'ai pas tellement envie de rentrer dans ta bouche en fait. Ni même ailleurs. Waouh! Ça y est, je me suis fait graille, les amis. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? What? C'est un véritable délire, mais qu'est-ce que c'est? Comment t'as fait pour en arriver là, Kissimissi? C'est pas normal, même Huggy Wuggy, c'est pas aussi ouf à l'intérieur. En vérité, j'ai jamais été mangé par Huggy Wuggy. Enfin, je me suis déjà fait dévorer, mais j'ai pas survécu, donc j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, on retrouve, vous savez, les... Oh, j'avance! Les portes dans l'usine avec les convoyeurs et tout, c'est tellement classe! Oh oh, là par contre, c'est la descente assurée. Wow! La tête, la première! Oh, la tête dans... Oh, dans l'acier, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Mourez. Mourez. Leave the place. Je pense qu'ils me disent de partir. Elles vont m'attaquer ces caisses ou pas? C'est le mec qui a peur des caisses et... elles disparaissent. Oh, mais il y a plusieurs chemins, en fait. J'espère qu'on va pas croiser Mommy, hein, ou encore moins Kissimissi. Non, quoique Mommy, elle est un peu plus effrayante que Kissimissi, j'ai l'impression. Kissimissi, c'est mon ami, maintenant. C'est mon pote. Surtout qu'il se fait défoncer par Mommy, alors bon. Faut aller où? Faut aller là? Faut aller là? Ouais, t'as raison de sortir la torche, c'est vrai que c'est pratique. Parfait. C'est par là! Viens là, mon pote! Ah, te fais pas dévorer, hein. Viens, t'es là. Viens, viens. Oh, viens! Bon, ok. Osef, alors. Ah, petite main de Kissimissi. Yep là! Petite main de qui? Yep là! C'est bon. C'est l'idée. Ah, you will die. Ok, vous allez mourir, vous. Ok, pas de soucis. Yeah, c'est bon. On y est. Wow, en tout cas, ce jeu est tellement classe, les amis. Je sais pas ce qui va se passer. C'est incroyable. Regardez où on est sorti, effectivement. J'aurais dû m'en douter. On arrive, effectivement, à l'endroit où on crée les jouets. Sauf que... Attendez. Oh, what? Mais il y a un Squid Game. À mon avis, on peut pas aller là-dedans. Je pense qu'on peut... Si, on peut y aller. On peut y aller. Oh. Ok, ok, ok. Mais alors, attendez, parce que... Il y a un Squid Game là. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? On peut monter là? What? Ah non, on peut pas, on peut pas. Mais on va aller voir le jouet, on va essayer de se créer un jouet là. C'est pas forcément une bonne idée, mais écoutez, ne reproduisez pas ce que je fais les amis. Hein. C'est pas forcément une bonne idée, surtout que je passe juste. Je vais y laisser quelques cheveux. Hein. Oh, je passe pas là. Ah si, c'est bon, en forçant un peu. Ok, ok. Ça se trouve, je vais devoir éviter, je vais éviter les, le Squid Game. Hein. Attendez. Non, il y a un moment, je passe plus.
C'est incroyable, j'arrive plus à passer. Bon, très bien, on va retourner en arrière, si on y arrive. Sinon, je me tue, c'est pas grave. Ok, on y est, on revient là, et donc on va se taper le jeu des vitres. Le jeu le plus compliqué des Squid Game, le jeu le plus hasardeux de Squid Game. Alors, est-ce qu'on peut tricher en regardant à travers? Non, on peut pas tricher. Ça nous montre pas quelle plaque est opaque. Bon, bah, je suppose que c'est la gauche. C'est parti. Ok, j'avais une chance sur deux. Et déjà, ça commence mal. Vous savez, à chaque fois que je fais une vidéo sur un jeu Squid Game, ça se passe mal pour moi. Oh, mais c'est incroyable! À chaque fois, je vais me tromper! Bon, ok, c'est droite-gauche, ça c'est sûr à 100%. Oh, sinon, je peux faire skip the stage, hein, c'est le gros tricheur. Oh, regardez, elle fait un clin d'œil quand on passe dessus, c'est tellement classe. Donc, droite, gauche, maintenant c'est à gauche, c'est sûr! Oh, je suis trop fort. À gauche encore, c'est sûr! Oh, mais les amis, en fait, ça se voit. Attendez. Ah non, ça se voit. Je sais pas. Ah non, d'accord, c'est la lumière qui vient de là-bas. Oh, bah, c'est la lune. La lumière qui provient de la lune qui fait les... On dirait que les vitres sont pétées. Bon, on a dit droite, gauche, gauche, gauche trois fois, je crois. Donc maintenant, c'est droite, hein, c'est sûr. Bon, bah, je pense que c'est plutôt beaucoup à gauche, tout simplement. Donc, gauche, 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 gauche. Maintenant, c'est droite. C'est sûr à 100%. Si c'est pas à droite, je donne 150 euros à tous mes abonnés. Faut pas faire des paris comme ça, Redkill. Tu peux tout perdre. Oh, mais attends, je peux peut-être passer là-dessus, en vrai. Hein? Ah non, ça marche pas. Alors, attends, je vais te montrer le chemin. C'est gauche, on a dit. Gauche, gauche, ensuite droite. Et dernier, bah, du coup, je sais pas, hein, moi, je dirais gauche encore. Non, j'ai pas réussi à ressauter derrière, même si ça s'est respecté. Bon, eh ben écoutez, je me suis trompé sur pas mal de plaques. Hein. De toute façon, j'ai jamais de chance sur les jeux Squid Game. C'est un truc de fou. Bon, en tout cas, c'est bon, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu doutais? C'est bon, tu peux sauter, hein, t'inquiète pas, Sfet. Alors, bah on peut pas aller là. Vous savez, c'est le pire endroit, ça. C'est l'endroit où ils sont. Ah, mais si, c'est fou, c'est là qu'il faut aller. Il faut comment. Il y a une flèche ou quoi? Il faut commander un jouet. Mais oui, il faut récupérer le jouet. Ah non, on peut pas. Ah, il faut aller dedans. What? Je sais pas. Ah, personne ne part sans un jouet. Ben ouais, 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 mais là, je l'ai. Il y est pas le jouet. La machine, je crois qu'elle marche. Ah, mais oui, mais la machine, en fait. Elle est un peu pétée, la machine. Alors bon, je veux bien récupérer un jouet, mais ça va être compliqué. Hein. On dirait des échelles, ça, mais ça n'est pas. Bon, allez, il faut sûrement aller là-dedans. C'est sûr, c'est parti. Oh non. What? Ah, c'était quoi ce bruit? Oh, regardez les amis. On commence à voir les bras de Mommy sur les côtés. Hein. Cet horrible personnage. Non. C'est quoi ce bruit là? On est chez le dentiste ou quoi? C'est juste un rayon laser, il faut se calmer les amis. On peut lui monter dessus ou pas? Ah non, on peut pas. Ya, yeah. Ya, yeah. Ya, yeah. C'est bon. Bon, ben je crois qu'on a pas le choix, il faut sauter là-dedans. Il y a quoi derrière? Ah, j'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Bah écoutez, je veux pas y aller en première. Vas-y, vas-y. Vas-y, saute. Saute! Saute, je te dis, moi je vais essayer d'ouvrir la porte, t'inquiète. Tu sautes ou pas? Non, tu veux pas, bon ok. Allez, c'est parti, on y va. Oh. Regardez qu'est-ce qu'il y a dessous. Ne regarde pas en bas, toi. Ne regarde pas en bas, tu vas faire une crise cardiaque. Alors, minecart, allez-y, on y va. Apparemment, il a pas l'air d'être fonctionnel. Y a plus grand chose qui marche dans l'usine de Poppy Playtime, les amis. Hein. C'est un petit peu la crise, là. Hein. Wow. Ok, les minecarts, très bien, qui transportent les jouets. Oh là. Les jouets finissent ici, les amis. Hein. Ça se finit pas forcément bien, je crois. Attendez, on va éviter de tomber. Oh, j'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a dessous. Est-ce que c'est une mauvaise idée, les amis? Attendez, je vais essayer d'y aller. Là! Oh! Oh, j'ai trouvé un passage secret, les amis! Ah! Ah! Est-ce qu'on peut continuer? Où est-ce que ça va me mener? Oh, je suis sorti de la map! Il y a la Terre juste en dessous! En fait, on est dans l'espace! L'usine de Poppy Playtime, elle est dans l'espace, je le savais même pas! C'est tellement classe! Alors, ok, on est de retour ici. On tente d'aller là-dedans ou pas? Oh, on va voir ce que ça fait, mais... Ah oui, d'accord. On meurt instantanément, hein. Même pas le temps de voir la lune. Hein. Voir la Terre, surtout. Alors, allez, c'est bon, j'arrête de faire n'importe quoi. On va y aller. Hop là. Je pourrais aller à gauche aussi, voir s'il y avait un secret, mais non. Alors, je sais pas ce que... Ça va exploser quand je vais le toucher. Mais non, c'est bon. On y va. Hop là. Pas trop près, les fesses, quand même. C'est un peu chelou. Alors. Oh, mais attendez, on est où, là? C'est un nouvel endroit que je ne connais pas. C'est un endroit qui n'est pas présent sur le chapitre 1. Oh. Alors, on va monter tranquillement ici. Ah, ok, il faut sauter. On peut pas monter en faisant une échelle. Là, par contre, oh, ça me fait penser à un truc qu'il y a avant les films, là. C'est ces petites échelles. Yep, 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 c'est bon. Alors, mais c'est quoi ces trucs, là, de ouf? Pas ce que c'est, hein. Bon, eh bien, écoutez, on va continuer, hein, très bien. On n'a pas le temps pour rester ici. De toute façon, on veut découvrir ce que Mommy nous réserve. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir voir ce qu'elle nous réserve. Je passe là-dessous ou pas, moi? Ouais. Ouh, c'est serré l'affaire. Normalement, tu passes, toi. Bien, attention à ta couette. Hop. C'est bon. On a validé. Allez, on continue. Alors. What?
C'est... What? On est tombé les amis. Non, 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 on est sous l'emprise de Momio, c'est bon. Elle nous fait pas de dégâts. Heureusement. On peut perdre, tourner elle derrière. Non, j'aurais tellement aimé voir sa tête. Non, on peut pas, hein. Ok. Bon, allez, on va continuer par là. C'est incroyable, cette map. Alors, est-ce que ces plateformes tombent? Non, elles tombent pas. Ok, c'est bon. On peut y aller. Allez, go, go, go. Alors, hein. Le train. C'est quoi ces... C'est quoi ces croix rouges, là? Est-ce que ça veut dire... attendez le train, vous allez mourir? Attendez le train, il y a quelque chose qui va tomber dessus? Je sais pas. En tout cas, comment on y monte? Ah, c'est par là. C'est par là. C'est bon. Non, what? Pourquoi j'ai glissé? Pourquoi j'ai glissé? C'est quoi ce délire? Est-ce qu'il faut pas juste passer derrière le train en vérité? Je crois qu'il faut pas prendre le train. Il faut juste passer derrière. Donc on monte, on monte. Ok. Est-ce qu'il faut passer derrière? Ouais, je pense. Hein. Au pire, on se pose là. What? On a déraillé! C'est bon, on a repris. Ah, c'est bon. On s'est remis sur les rails apparemment. Elle a réussi à monter, elle ou pas? Oh, ouais. Bien, rejoins-moi. Ah, il faut bien y aller. Prends ma place, prends ma place. Merci. On y va, on est parti pour un kart ride. Un train ride. Oh putain, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Je savais pas qu'il y avait des couloirs aussi longs dans l'usine. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est toutes ces portes là? Qu'est-ce qui casse derrière? Je ne comprends pas. Heureusement que j'étais passé à les plaques de gauche, hein. Les places de gauche, parce que je pense que je me serais pris une baffe. Voilà. Faut surtout pas sauter là, parce que je pouvais me prendre les néons. Waouh, j'ai failli reprendre une gifle. Aïe, aïe, aïe. Non. Ça m'a tué les amis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Faut faire quoi du coup? Faut rester au milieu. Oh, le délire. Bon, par contre, il revient dans combien de temps, machin? Train arriving, à tout moment, oui, oui. Par contre, elle est partie où, ma copine? Je sais pas, hein. Bon, comment on fait, là? On attend quand? Combien de temps? Et le voici, le voilà. Bon, quelles sont les meilleures places, vous pensez? Ah, peut-être se mettre à l'avant du train. Il va vite, là. Il va vite. Attends. Mais oui, mais je peux pas le prendre. Il va trop vite. Ah, c'est bon, il s'est arrêté. Parfait. Allez, go. Je pense que... Non, pas de bêtises. Mais c'est n'importe quoi. À un moment, en fait, vu qu'il bouge, à un moment, je tombe. C'est horrible. Mais laissez-moi monter. Vite, avant qu'il parte, vite. Allez, reset. C'est bon. Go. En fait, il faut vraiment prendre l'échelle à gauche. Voilà, comme ça, t'as le temps d'aller un peu sur la droite. C'est bon, on y est. Bon, est-ce qu'on peut pas se placer entre les wagons? Oh, si, on pouvait se placer entre les wagons. Mais non, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller tout devant. Par contre, il va dérailler, là, normalement. Ah, c'est bon, il a pas déraillé. Ouais, il accélère. Oh, je suis tombé. Oh, c'est parfait, les amis. On est bien ici. Attendez, je vais essayer de me mettre là. Oh, ouais, on est tellement calé là. Bon, par contre, on voit pas grand-chose. Mais normalement, ça va le faire. Alors... Attention, j'espère qu'il n'y a pas des mains qui traînent en bas, hein, sinon on va se reprendre une gifle. Ça serait une très mauvaise idée. Je n'ai... Ouais, c'est bon. Là, c'était là-haut. Ensuite, elles vont arriver une fois à gauche encore et deux fois à droite, je crois. On va aller voir à droite. On va aller voir. Elle est peut-être passée, hein. Hein? Non, toujours pas. Toujours pas, c'est laquelle que je me suis pris, moi. C'est celle-là, je crois. Waouh! Non, ça a fait le bruit, mais pourtant, il n'y avait personne. Oh, j'ai entendu une explosion au loin. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What? On s'arrête là. Très bien, ok. Oh, what? Il y a sa main là, énorme. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est elle qui a arrêté le train. Oui, c'est elle. Oh, mais non, elle est énorme. Mais elle a combien de bras en vérité? Est-ce qu'on peut monter sur son bras? Ouais, est-ce que je peux la rejoindre? Oh non, on peut pas y aller, on peut pas. Il y a un mur invisible. Bon, c'est pas grave, on s'en va. Oh, elle a vraiment tout cassé, elle est tellement classe. Nous contrôlons... Momy Longlegs dans une ville dans laquelle nous allons pouvoir mettre un bazar immense. Oh mais quelle classe franchement. Oh, qu'est-ce que tu fais toi, patin là? Oh, je l'ai démoli. Oh, il a un gun lui. Je pourrais lui lancer pas mal d'habilités là qui pourraient lui faire extrêmement mal. Mais attendez les amis, avant d'avoir la police aux trousses, je vais monter. Normalement on peut s'accrocher comme Spider-Man. Maintenant on peut pas s'accrocher. What? Pourquoi il y a un bus qui vole? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez vite, faut que je monte. Et comment on fait pour monter? Oui, ça y est, j'ai réussi les amis. Je peux bien évidemment m'accrocher. Donc avant d'avoir la police et tous les hélicoptères à mes trousses, je vais aller tout là-haut et je vais tester mes habilités à plat. Voilà. Ici on devrait être à l'abri. Attendez, je peux monter encore plus haut. Allez, vas-y, accroche-toi, c'est bon. Mais quelle classe! Waouh! Donc bienvenue à tous les amis sur ce jeu qui s'appelle Momy Rob Game. Et comme vous l'avez compris, nous allons incarner l'un des personnages les plus atypiques de Poppy Playtime, Momy Longlegs.
franchement, elle est tellement bien faite. Ça va être incroyable. Alors, on a la possibilité de faire quoi? Il faut qu'on fasse gaffe, on n'a pas beaucoup d'énergie, les amis. Va falloir l'économiser. On peut bien évidemment sauter avec Mommy Long Legs. On a vu qu'on pouvait grimper, etc. Oh là là, et alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme pouvoir? Attendez, je vais tester un truc, mais... Non, 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 tombe pas. Oula, ok. Non, on va faire ça dans le ciel, on va éviter d'attirer la police. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là? What? What? Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, c'est une boule énorme! Wow! Ça va exploser ou pas à l'impact? Wow. Ok, non, ça explose pas à l'impact, mais je pense que si quelqu'un se prend ça, il va prendre tellement cher. Alors, c'est quoi le deuxième pouvoir, là? C'est... Oh! Coup de poing dans le sol. Alors là, je souhaite qu'aucune voiture se trouve dans les parages, sinon on va prendre tellement cher. Mais attendez les amis, j'ai la possibilité de m'agripper comme Spider-Man. Attendez, ça marche ou pas? Oh. Yes. C'est trop génial. Attendez, je vais essayer d'aller sur l'autre immeuble tout au fond là-bas. Oh. Mais je peux, mais il est tellement loin. Oh là 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 là, c'est trop classe. Ok, bon, les amis, il nous reste quel... Je peux pas m'accrocher à celui-là. Je pense qu'il est temps pour nous. On va pouvoir aller tester les autres compétences sur les humains juste en dessous. Bah écoutez, on va y aller. C'est parti! Direction le bus, là. Viens là, petit bus. On va s'accrocher à lui. Alors, est-ce qu'on peut s'accrocher à lui en tant que Spider-Man? Je sais pas. Ah non, je peux pas. Oh, si, j'ai réussi à l'attirer. Allez donc, c'est parti pour la découverte. Oh, il y a pas mal d'argent. Ça y est, je commence à voir la police à mes trousses, les amis. Aïe. Ok, il va falloir lancer la boule qu'on a vue tout à l'heure. C'est parti. Oh, mais elle est tellement lente, cette boule. Oh, mais ça nous a brûlé. Aïe. Qu'est-ce qui me tient aussi maintenant? Il est où? Il est là. Ah, et là, vous n'avez découvert que mes deux premières compétences, et non pas les trois dernières qui sont incroyables. Celle-là, je sais pas ce que c'est, mais ça va être incroyable. Ah, attendez, je peux rentrer dans le bus ou pas? J'aimerais piquer le bus. Je peux piquer le bus ou pas? Oui, c'est bon. Sors-le à toi. Ouais, c'est bon, on s'en va en bus. On s'échappe. Ah, ok. Allez, go. On peut accélérer. Allez, mon pote. Allez, c'est bon. Bon, par contre, j'ai pas pris le véhicule le plus rapide. What? Non, c'est incontrôlable en vérité. C'est incontrôlable. Je suis en train de prendre tellement cher. Il faut qu'on s'en aille, les amis. Il faut qu'on s'en aille. On s'en va, on trace, on va essayer de sortir de la ville. Oh, mais je veux cette voiture, viens là, oh mince. Oh, désolé mon pote. Oh, mais c'est bon, j'ai plus la police à mes trousses, les amis, je suis parti tellement loin. Bam. Bon, allez, il va falloir qu'on teste une nouvelle compétence. Pourquoi t'as une arme, toi? Et là, troisième compétence, et c'est quoi? Ok, c'est la même que la deuxième, mais en beaucoup plus puissant, toi. Va-t'en de là. Boom. Oh, j'ai 5 étoiles. Où ça va? J'ai 5 étoiles, c'est trop énorme. J'ai plein. Ah mince, j'ai plus d'énergie. C'est pas grave. On trace. Ah, wow. Attendez. Oula. Y a la police, on va éviter de se faire remarquer. C'est bon, j'ai rien fait, monsieur le policier. Je peux piquer l'hélicoptère, c'est quoi ce délire? Et là-bas, les amis, il y a un tank. Ok. On va essayer de piquer l'hélicoptère. Par contre, je sais pas conduire. Je vous préviens, je sais pas conduire. Vas-y, rentre là-dedans. Oh, trop stylé, mon Mommy Long Legs. Vas-y. Oh là là, c'est bon, c'est pas fait choper. Oh, je peux tirer. Ok. On monte. Allez, on s'en va. On trace. Oh là 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 là, c'est trop stylé. Allez, c'est parti. On prépare les roquettes. Est-ce que vous êtes prêts? Vise la voiture. La voiture qui est juste là. Allez. C'est parti. Et là, la police ne peut pas m'atteindre, elle ne sait pas où je suis. Allez, on va essayer de retourner dans la ville tranquillement. Hop, il devrait y avoir plus de choses à détruire. Par contre, attention à pas se prendre un building, ça serait dommage. Vous pensez que j'arrive à passer entre les deux? C'est possible ou pas? Oh, Mommy Long Legs, c'est impressionnante. Oh, mais c'est bon, il a pas explosé, heureusement. Ouh, il y a un bus à détruire. Ce jeu est trop stylé, mince, ça c'était la police, je crois. Ah oui, j'ai 2 étoiles. Oh oh, on va avoir un problème, on s'en va. On trace. Désolé, monsieur. Encore un là. Bam. Ok, bon, je pense, les amis, qu'il est temps pour nous d'aller utiliser les autres compétences histoire d'appeler la police. Alors, est-ce que je peux sauter? Oui. Oh, je suis sur le côté. Non, c'est bon. Oh, attention, atterrissage. Bam. Alors, comment ça se passe? On trace. Oh, l'accélération est incroyable, la police. Boum. Et
voilà, j'ai même pas une seule étoile. Allez, on va tester les nouvelles compétences, les amis. Il nous faut du monde, là. On va retourner carrément dans le centre-ville, là-bas. Ah, cette voiture, je la voulais tout à l'heure. Vous me l'avez pas donnée. Y'a pas de problème. Oh oh. Police arrive, la police. Ah, boum. Oh, la moto. Oh mince, la moto a explosé. Spider-Man. Oh, c'est tellement satisfaisant. On nettoie les vitres, là. Bon, allez, il faut que je teste ma quatrième compétence. Un camion arrive. Salut, mon petit camion. Attention, c'est parti. On va pas voir qu'il y a la police à côté de moi. Oh, c'est un camion, La police a rien vu apparemment, ils sont partis, mais attendez, je vais m'occuper d'eux. Incroyable, ça y est, j'ai les deux étoiles. Un bandit, il faut le détruire. Oh, c'est raté ça. Ok, tu vas goûter le coup de poing de la mort, le coup de poing de Thanos. Boum, il brûle. Allez, on va utiliser la cinquième compétence maintenant. Sur qui? Sur lui. Cinquième. What? What? Attendez, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je suis rentré. Je suis dans la voiture. Sortez, madame. Sortez. Oh, c'est un rayon. D'accord. Mais attendez, mais pourquoi l'autre il m'a rentré dedans? C'est quoi ce délire? Oh, il est incroyable. J'ai plus d'énergie. J'ai les 5 étoiles. C'est la crise. Échappe-toi, mon milieu de legs. On s'en va. Non, on s'en va pas. On veut se battre. Oh, mais ça y est. Oh, il y a du monde ici. Oh là là, j'ai jamais fait autant de kills, c'est incroyable. Il faut de la vie. Il faut de la vie. Voilà, parfait. Ça m'a pas donné grand chose, hein. Je vais mourir. C'est bon, je vais survivre normalement. Oh, c'est pas sûr. J'ai plus beaucoup de vie là, il y a tellement de policiers autour de moi. Faut pas s'arrêter de monter, copains. Non, je suis mort. Nous allons tenter d'atteindre Mommy Longlegs qui est tout au fond là-bas. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, le décor est tellement stylé. On se croirait vraiment dans Poppy Playtime. Attendez, hop, je monte sur mon train tranquillement. En tout cas, les amis, le temps que je fasse un petit tour de ce train, je vous demande à tous de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. Et nous, c'est parti. Alors, comment ça va se passer? On va prendre notre kart ride juste là. Je sais qu'on va avoir besoin du grab pack, les amis, pour actionner les interrupteurs là-bas. Mais je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai pas de grab pack pour l'instant. Est-ce qu'il faut aller le récupérer quelque part? On peut aller là-dedans. C'est un piège, il faut pas y aller, je pense pas. Attendez, on peut peut-être activer le truc et récupérer le grab pack là. Ou pas, je sais pas. Non, ça change rien, ok. Bon bah on va y aller, peut-être qu'on va réussir à avoir le grab pack dans l'usine directement. On verra ça, c'est parti. Alors j'ai vu qu'il y avait un abonné qui était là avec moi. Voilà, c'est bon, elle a réussi à me rejoindre. Donc on va jouer avec elle pour l'instant. Et c'est parti pour ce kart ride de folie avec... Oh, la première machine les amis, vous vous souvenez de cette machine dans Poppy Playtime? Elle est horrifique. Et juste ensuite, on va devoir rentrer dans l'usine carrément. Ok, il y a marqué de ne pas y rentrer. Mais attendez, mais le rail il est pété, comment on va faire? On va voler? Comment ça va se passer? Je sais pas comment ça va se passer, bon ça va commencer très mal. Est-ce qu'il faut qu'on accélère ou pas? Je vais accélérer un petit peu mais... Je le sens pas. Oh non c'est bon, c'était juste un piège. C'est parti, on est rentré dans l'usine et... Wow. Oh c'est trop stylé, attends il faut ralentir, On va ralentir, oula, ok, doucement, on y retourne. Doucement, je veux regarder tranquillement ce qu'il y a. Bon ok, on n'a pas le temps. On est déjà sorti et pour l'instant pas de piège, tout va bien. Mais on n'a pas récupéré le grab pack et je le veux absolument. Oh mais j'avais pas vu, mais le kart est trop stylé. On dirait vraiment un kart de Poppy Playtime. Alors, oh non, les rails sont encore cassés. Est-ce que ça va le faire? Il y a une autre machine là-bas. J'espère qu'elle va pas bouger ses dents là. Hop là, oula. Ok, petit virage dans rien du tout. Et ensuite, direction la deuxième machine à jouer de Poppy Playtime. Ah, c'est peut-être là-bas qu'on va récupérer le grab pack. Il y a une grande plateforme là-bas. Et on doit actionner le bleu et le rouge pour ouvrir la porte. Eh, c'est parti dans la machine à Achille et jouer. Personne n'est là pour l'activer, tout va bien. Oh, c'est bon, on a failli se faire cry. Tout va bien. Pas vrai, Baby Strawberry? Tout va bien. Oui, oula, je crois que quelqu'un a perdu son kart. Hop, voilà, elle est tombée. Oh, ils sont allés sur l'usine. Ah ouais, mais moi je suis jaloux, moi aussi je vais aller sur l'usine. Oui, au final il tombe, il n'y a rien à faire sur l'usine. Bon, très bien. Je vais pas sauter de mon kart alors, je vais pas risquer de devoir tout refaire. Je vais continuer à monter ici et on va voir. Ça va nous mener où là? Ça va nous mener où? À une autre machine? Ah oui, c'est la machine jeune maintenant. La machine d'emballage de Poppy Playtime. Non, en vrai, j'en sais rien, c'est peut-être le broyeur. Et attention, nous y voici, la magnifique jeune. C'est bon,
C'est bon, on s'est pas fait manger, tout va bien, on va pouvoir passer là. Non, c'est bon, y a pas besoin de l'activer apparemment. Pas pour l'instant. Peut-être la porte qui est là-bas, là, qu'il va falloir activer, mais là pour l'instant, y a pas besoin d'activer ça, je pense pas. À moins qu'il faille remettre les rails dans le bon sens, mais je pense pas. Hein. Wow, on a déjà parcouru quand même pas mal de chemin, dire qu'on était tout en bas tout à l'heure. Et là, on est au plus haut. Ah non, on n'est pas au plus haut encore. Oh non, mais encore des rails cassés, c'est pas possible. Sortez votre grab pack! Sortez-le! Activez ça! Non, c'est bon, y'a pas besoin, tout va bien pour l'instant, je crois. Oui, c'est bon. Non! J'ai augmenté la cadence et on est tombé! C'est pas possible! Il faut tout refaire! Ah! Oh non! Ouais, trop dégoûté, bon, on va le refaire, mais surtout ne pas augmenter la cadence, hein! Mais qui a mis son rail au milieu là? Qui a mis son rail? Ah! Qui a mis son kart juste là? Il faut absolument le bouger, sinon on pourra pas avancer, hein! Y'a pas quelqu'un qui veut le virer, le kart là-bas, il va disparaître ou pas? Comment ça se passe? Ah c'est bon, il a disparu, vite, vite, c'est notre moment. Oh, y'a un kart bleu! Moi aussi je veux le kart bleu! Attendez, c'était pas un kart bleu qu'on avait juste avant? Go monter dans celui-là! Go, 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 venez, 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 allez, go, on s'en va! Bon, c'est parti! Non! N'éteins pas le truc! Mais n'éteins pas le truc! Pourquoi il éteint? Arrête de l'éteindre! Il faut qu'on accélère! Y'a! J'aurais jamais dû tomber! Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Ah! C'est quoi ça? Ok, carte jaune maintenant. Trop stylé. Allez, go monter, go monter, go monter. Non, pas elle, pas elle. Pas elle, elle nous a fait tomber juste avant, c'est bon. Hop. Oh, on est tranquille. Ok, cette fois-ci, ne surtout pas réaccélérer, c'est bon? C'est bon, apparemment, on a réussi à passer les virages. Allez, on monte tout ça. Oh, il y a tellement à monter. J'espère ne pas dérailler là. Waouh, il y a tout ça à monter. Wow, y'en a un, il arrive super vite derrière. Lui, il a pas peur, hein. Il va nous faire dérailler. Je sens qu'il va nous faire dérailler. Je vais accélérer, je pense. Je vais accélérer. Au risque de tomber, je vais accélérer une fois. Attendez, il faut que j'arrive à cliquer. Voilà, c'est bon. Wow, wow, wow. Ça accélère pas mal. J'espère qu'on va plus vite que lui, hein, sinon il va nous bomber dedans. Il va nous faire tomber. Reste derrière, toi. Reste loin derrière. Je pense qu'on a la même vitesse, là, en vérité, vu que j'ai accéléré, là. Ouais, 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 c'est bon. Ça va le faire. Normalement, c'est bon. J'espère. Ok, c'est bon. On a réussi à monter toute la spirale. Oh, mais il y a plein de rails disparus après. C'est quoi ce délire? Ok, c'est bon, le virage est réussi, tout va bien. On a une bonne vitesse, une bonne cadence. C'est bon, il nous rattrapera pas. Allez, on y va. Par contre, me dites pas qu'on va retomber au spawn là. Me dites pas que j'ai pris le mauvais chemin. Oh, oh, oh. Ah, c'est bon, c'est bon. Wow, ne touchez à rien surtout. Parce que là, je vois pas les rails, hein. Si on tombe, je peux pas me rattraper sur les rails vu qu'il y en a pas. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui, on va trouver les rails. Ah, c'est bon, heureusement. Et l'autre, il est en train de nous rattraper, je crois. Bon, je pense que là, on a la bonne vitesse. Si je réaccélère une seule fois, on pourra pas passer les virages. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter là. Oh, Mommy Long Legs, j'ai jamais été aussi proche de toi. Waouh, elle est tellement bien faite. Avec ses bras de 5 mètres de long. 5 mètres? Tu parles, ça fait 45 mètres ce truc là. Alors on en est où nous? Ah ouais d'accord. Ah faut qu'on retourne là-bas, très bien. C'est quoi ça? C'est le grab pack rouge? Comment ça se passe? Oh il est tombé celui qui était derrière moi. Il est tombé. Je pense qu'il a voulu faire trop le malin. Il a trop accéléré. Ok alors si j'ai réussi à passer tout ça là-bas, je pense que c'est pas ça qui va m'empêcher quoi que ce soit. Tac. Imagine mon abonné il se met à accélérer, elle se met à accélérer là d'un coup. Ah, elle clique sur le petit plus là. On va partir en enfer je crois. Franchement, si je la vois cliquer, je saute direct, hein, et j'essaie d'y aller à pied. Hein. Oh, on y est! On y est presque. Attendez. Ah non, il faut qu'on remonte par là. Oh non, des rails invisibles, j'aime pas ça. Ok. Ah, il faut qu'on aille là. Très bien, on fasse le tour et après c'est bon. Waouh. Mommy Long Legs, j'espère que tu nous réserves des bonnes surprises là-haut. Il y a plein de cartes bloquées. Il y a plein de cartes devant sa bouche, les amis. Ah, j'espère que ça va pas nous faire dérailler tout ça. Bon, très bien. Il y a un truc secret là, les amis. Il y a une balançoire secrète sur un nuage transparent. Plus transparent qu'un vrai nuage, je veux dire. À mon avis, une fois qu'on aura trouvé Mommy Long Legs, on pourra aller là-bas. Mais je suis pas sûr, hein. Ça a l'air complexe. J'ai trop envie d'aller faire de la balançoire là-bas. Ça a l'air tellement paradisiaque. En tout cas, ça y est. La dernière ligne droite est pour maintenant. Attention, attention. À gauche, à gauche. Oui, c'est bon. On n'a pas dérayé. Tout va bien. Donc ça y est, les amis, on va pouvoir découvrir la surprise que Mommy Long Legs nous prépare. J'espère que c'est pas... Ah, pas maintenant. Non. Pourquoi maintenant? On y était presque, je suis dégoûté. Wow, c'est pas possible. Ok, cette fois-ci, je crois qu'on y est. La dernière ligne droite était nous, on n'a pas dérayé les amis. C'est bon, j'ai beaucoup ralenti hein, sur la dernière partie là. J'ai ralenti de fou et attention, c'est... Par des découvertes de Mommy Long Legs qui va nous manger avec grand plaisir. Non, finalement, peut-être pas. Je préfère partir en bas. Je préfère être en bas, finalement.
Oh! Oh! What? Il faut lui grimper dessus maintenant, comment ça se passe? Faut faire quoi? Faut faire quoi, les amis? Waouh! Attendez, je vais tenter. Hop, je vais essayer d'aller dessus. Faut faire quoi? Oh, je comprends pas. Oh, oh, c'est pas le moment de tomber, hein. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, là? Bon, les amis, je pense qu'il faut rejoindre son bras, là, sa main directement, ok. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Lequel? Oh, ouais, y a que celui-là. C'est parti, j'espère qu'elle est solide. Oui, c'est bon, elle est solide. Oh, je suis sur le bras de Mommy Longleg, c'est tellement classe. Salut, Mommy, t'inquiète pas. Si ça fait des chatouilles au niveau du coude, là, c'est normal, hein. C'est moi. Oh, on va y arriver. Oh, truc de fou, je savais pas qu'il fallait faire ça à la fin. Moi, je suis en train de me faire pousser là. Je suis en train de me faire pousser. Ok, par là, par là, par là, par là. Ok, ensuite, faut passer par l'autre main. Ou pas? Oh, il faut faire quoi? Bah, c'est pas vraiment de l'autre main, hein. C'est plutôt l'autre bras, mais oh, j'arriverai jamais à sauter jusqu'à là-bas là. What? Comment je vais faire pour atteindre le truc? Je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas faire le tour, passer sur l'autre bras, l'autre jambe plutôt? Oh oh, comment on va faire ça? Aïe 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 aïe, je veux aller de l'autre côté, il y a des trucs trop stylés, mais oh là là, une téléportation peut-être? Oh, comment on fait? Il faut que je trouve absolument un moyen de rejoindre la plateforme, mais je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'il faudrait regrimper sur elle? Oh, je vais retomber, je vais retomber. Oh, ah, je peux passer par là peut-être? Ah non, je suis bloqué. What? Faut absolument que j'arrive à retourner sur son visage. Oh, je vais y arriver, je pense que je vais y arriver. Oui, 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 il faut que je monte sur sa tête peut-être. Ouais, c'est ça, ah c'est bon, j'ai réussi. Ah non, non, il y a un mur invisible en fait, je peux pas y aller. Ok, on va retourner sur son visage, on va essayer. Ah mais je pourrais pas. Le problème c'est que je peux pas remonter sur les rails maintenant. Bon, c'est pas grave, au pire avec un peu de chance, je peux essayer de tomber sur des rails pas trop loin là, qui vont me mener à la fin. Ok, là si par exemple je tente ici, ok, il faut bien viser. Yes! Ok, maintenant je refais tout à pied, j'ai juste cette ligne droite à faire et revenir en arrière, ok. Hop là, attention c'est dangereux quand même hein. Wow. Je gravis tous les dangers pour vous les abonnés, pour qu'on puisse réussir ce jeu. Ok, c'est bon. Ah ouais, mais quand il y a des rails invisibles, c'est trop chaud. Oh là 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 là, comment on va faire là? Il faut que j'arrive à repérer là où on va tourner. Oh, c'est trop dur. Peut-être là, là, j'avance encore un peu, je tente. Oh, il va falloir que je tente un truc, les amis, il va falloir que je saute. Hein. Il va falloir que je saute ici. Allez, allez, yes, j'ai réussi. Waouh. Ah, les amis, je viens de remarquer un petit truc là. Ah oui, non, c'est les deux blocs qu'il y a juste en dessous d'elle. Je sais pas si ça va être utile ça, il y a un personnage défoncé, peut-être faut aller dessus. En tout cas j'ai presque réussi à reprendre la ligne droite, c'est pas le moment de se rater. J'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ok, 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 et ensuite c'est la ligne droite, hop là. C'est bon, ok, on va retenter hein. Mommy Longlegs, dis-moi comment on fait s'il te plaît pour aller sur la plateforme derrière toi. Je veux y aller, oh, ça m'a refait un écran noir comme tout à l'heure, c'est bizarre. Allez, je veux rentrer, non, 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 pourquoi ça marche pas? Oh, trop dégoûté. Peut-être qu'on doit tomber, les amis. Peut-être qu'on doit tout simplement tomber comme ça. Allez, dis-moi que j'ai réussi. Dis-moi que j'ai réussi, s'il te plaît. Oh oh, oh oh, attention. Non, ça m'a remis au spawn. Wow. Bienvenue à tous, les amis, dans l'usine à jouer de Poppy Playtime, chapitre 2, dans un jeu Roblox, les amis, dans lequel, pourquoi il y en a une qui a une tête et l'autre qui en a deux? Dans lequel, les amis, nous allons devoir trouver toutes les transformations de Huggy Wuggy en passant par la première qui semblerait être Mommy Longlegs, les amis. Oh, trop classe! Et bien évidemment, pour chaque transformation que nous allons trouver sur la map, on va pouvoir prendre la transformation et... c'est parti, nous sommes officiellement... What? Attendez, il y a un garde de Squid Game en mode Mommy Longlegs. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je le veux ton skin, moi. En tout cas, nous sommes Mommy Longlegs pour le skin de base pour l'instant, qui n'a qu'une seule tête apparemment. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, et j'ai vu qu'il y avait une petite peluche Huggy là. Juste là. Est-ce que on va être Huggy Wuggy en mode simple? Non, il y en a trois à trouver, d'accord, très bien. Et à mon avis, ça va débloquer soit l'un des skins simples de Huggy Wuggy ou bien un autre. En tout cas, nous avons 40 transformations à trouver aujourd'hui. Ça va être du délire. Alors attendez, j'hésite. Là-bas, il y a une porte qu'on peut ouvrir avec le Grab Pack. Ou sinon, on peut passer par les voies de train. Ouais, peut-être qu'on passera par les voies de train tout à l'heure. Ce qu'on a qu'à faire pour l'instant, les amis, c'est trouver un autre petit Huggy Wuggy, pourquoi pas. On va regarder. Attendez, il y a un truc qu'on peut monter là. Il y a un petit parcours. Ça va me permettre de monter là, mais je sais pas à quoi ça va servir. On va essayer de monter. Je sais pas si ça va être possible. Ah, si c'est possible. Oh, en plus, on saute super haut avec mon Milongles. Oh, j'ai trouvé un passage, les amis. J'ai trouvé un passage. Par là, peut-être? Non. Il y a rien là. Faut passer dessus. Je sais pas, il faut aller là. Peut-être qu'il faut continuer là. Oui, oh, c'est ça. C'est ça, il faut réussir à monter là. Allez, 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 allez. Oui, j'ai réussi. Ah, là, je suis bloqué. Ah, non, c'est quoi ce délire? Oh. C'est n'importe quoi. Pourquoi il s'est mis en mode Superman là? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est bon. On y est. Ou pas. Elle a refait la même erreur. Mais non, mais elle est trop grande aussi. On va essayer d'y aller à pattes, hein, sans Mommy Longlegs. Normalement, ça devrait le faire. Yeah.
Oh oui, c'est bon. Ça passe mieux comme ça, en mode Red Kill. Red Kill est beaucoup plus puissant que Mommy Longlegs. Par contre, faut aller où maintenant? Mais attendez, c'est quoi ce délire? Où est-ce que je vais? J'aimerais bien savoir. Parce que là, pour l'instant, ça va être chaud. Attendez, si je passe par là, peut-être, je peux traverser. Oh, mais c'est tellement serré l'affaire. Et il y a un truc, hein. Oui, il y a un truc là-bas, les amis. Oh, on dirait c'est un Huggy. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une casquette. Une casquette? Pour avoir un Huggy Wuggy policier, peut-être, je sais pas. Oh, le conducteur du train. Avec la casquette comme ça, c'est trop génial. Ok, on va continuer de ce côté-là. On va le tester juste après. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas un truc derrière l'horloge, là. Cette horloge a l'air bizarre, les amis. Non, y a rien. Oh, en tout cas, pour l'instant... Oh, attendez, il y a un petit journal, là, peut-être à aller chercher. Peut-être que ça pourrait nous donner un... Huggy Wuggy lisant le journal. Peut-être que de l'autre côté, il y a autre chose. Non, apparemment pas. Bon, allez, on peut redescendre. On va voir ce... Oh, oui, c'est ça. Oh, il y a eu un accident de train. Le train s'est arrêté. Il est en train d'être fixé par les ingénieurs qui sont en train de faire en sorte qu'il remarche. Ben, pour l'instant, c'est vrai qu'il est pas là. Bon, bah, allez, les amis, c'est parti. On va pouvoir continuer. On va quand même regarder sous les escaliers qu'il n'y ait pas un truc caché. C'est obligé, hein, il faut regarder partout. Vous connaissez ce genre de jeu. Allez, juste avant de se transformer, je vais ouvrir à l'aide du grab pack, bien évidemment, la petite porte. Ha, avec la main verte qu'on obtient seulement dans le chapitre 2 de Poppy Playtime. Et là, les amis, nous avons. Qu'est-ce que c'est? Un pot de peinture? Qu'est-ce que c'est? What? Mommy Longlegs en mode vieux! En mode vieille papy! Vieille mamie plutôt. Oula! On va se mettre en mode conducteur, on va voir ce que ça donne. Attention, hop là, c'est parti. Mais attendez, c'est même pas Huggy, en fait, c'est qui c'est Missy qui est en mode conducteur? C'est la conductrice! Malheureusement. Oh, attendez, on peut faire des émotes. Oh! Oh! Wave! Go! Voilà, ok, il faut tout payer en fait. Au moins on peut enlever le chapeau. Et en tout cas, pour passer dans la porte juste à côté, il nous faut plutôt un Mommy Longlegs. Peut-être que elle passera mieux. Oh. Ah, si elle arrive à marcher. Ça va mamie? C'est plus Mommy Longlegs, c'est Granny mon... Oh bien non, on peut pas rentrer là-dedans. C'est Granny Longlegs. Oh, c'est exactement comme dans le chapitre 2 les amis. Regardez ça, les couleurs, le bleu, le violet et la fresque sur le mur, enfin plutôt la peinture. Oh, on peut descendre. Voilà, on peut monter. Non, on peut pas monter, y'a rien du tout. On va quand même regarder ici s'il y a quelque chose. Et y'a rien. Il semblerait qu'il faille sauter. Attendez, il faut vraiment vérifier partout. Allez, go, go, saute, c'est parti. Oh, je suis parti où là? Oh, on arrive dans la fun zone, les amis. Alors attendez, sur l'affiche, y'a pas un truc. Là, y'a rien, On va regarder à l'intérieur quand même. Si derrière la télé, y'a pas un truc, faut vraiment vérifier partout. Hein. Vous connaissez ce genre de jeu, hein. Ils sont vraiment fourbes dans les cachettes. Alors attendez, je vais me remettre en mode Red Kill quand même. Parce qu'on y voit un peu mieux. On est un peu moins grand, quoi. Parce que Mommy Longlegs, elle prend un peu de place quand même à quatre pattes comme ça. Oh, on a accès à la cafétéria, ici, à un autre endroit. Là-bas, y'a le fun zone. Changing room. Ah, c'est le vestiaire. Et l'électricité, ok. Oh, y'a un hobby à faire, les amis. On va commencer par là et ensuite on ira éventuellement dans les autres portes voir ce qu'il y a. Attendez, parce que... Ouais, ça va, ça. C'est pas compliqué. Il faut aller jusqu'où, là? Il faut aller jusqu'à là-bas. Ah, il faut monter sur les nuages. Oula, ok. Ça va peut-être le faire. Non, ils sont pas solides. Ah, si, ils sont solides, mais j'ai pas réussi. Alors, attendez. Peut-être qu'on peut passer par là, c'est plus rapide. Yep. Oh, mais je l'avais pas vu, lui. Regardez. C'est... Et je peux pas le voir. Ah, mais non, mais c'est un joueur, ça. C'est un joueur, il me troll. Eh, mais comment tu l'as eu, ton Pikachu, là? Moi aussi, je le veux. Oh, attendez, il y a quelque chose, là, les amis. Qu'est-ce que c'est? C'est une potion. Une potion qui va me faire devenir Huggy Wuggy Red, c'est ça? Oh, Mommy Longlegs en mode human. Oh, let's go, on va tester ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle fait la taille de mon skin de base ou pas? Ah, elle est un petit peu plus grande. Bon, ça va pas m'aider à faire le hobby, mais elle est très stylée en vérité. Allez, vas-y. Tu vas m'aider, j'espère que tu sais. Oh, mais attendez. C'est vrai que Mommy Longlegs, tout à l'heure, elle sautait super, super loin et super haut. Donc il y a moyen que ça nous aide à passer ça. C'est ce qu'on va faire. On va se mettre en Mommy Longlegs, comme ça, de base. C'est parti. Je suis toujours là-haut, bien sûr. Hop, ok. Prends l'élan. C'est parti. Ah ouais, c'est tellement pratique avec... Oups, là, par contre, ça bouge, ça tangue. Yop là. Non. Allez, cette fois-ci, on se fait pas avoir. Oh, il faut monter directement dessus, là. Attention. Yes, c'est réussi. Qu'est-ce que c'est? C'est le Giwagi Red, c'est ça? Le rouge? Celui pour Red Kill? C'est exactement ça, les amis. Let's go. On va le tester de suite, bien évidemment. Et c'est parti. Bon, celui-là, c'était un facile à trouver, hein, mais bon. Waouh, mais quelle classe incroyable. Mais c'est quoi cette tête, sincèrement? Il est stylé, mais c'est quoi cette tête? Ils lui ont enlevé les dents, enfin, ils lui ont fermé la bouche, surtout. Mais bon, ok, c'est pas grave. Allez, on revient en mode Red Kill, comme ça, on va pouvoir ouvrir la Fun Zone. Oh, non, attendez, la Fun Zone, je pense que c'est un endroit assez ouf, donc on le fera après. Pour l'instant, ça serait bien de trouver éventuellement tout ce qu'il y a ici, parce que ici, on est dans l'atrium, et on va essayer de trouver... Peut-être dans les casiers, là, non, y a rien. Mais attendez, il y en a tellement, il va falloir tous les faire, vraiment.
Il y a forcément un truc sous les douches, peut-être. Je sais pas. Ouais, il y a rien là pour l'instant. Oh, si, il y a un truc là. Oh, regardez, il y a juste une main qui dépasse. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dad Longlegs. Mais je le connais pas, lui. C'est qui, lui? C'est le mari. Ah, Mommy Longlegs, bien évidemment, mais... What? Oh. Il est super grand. Ça, il est pas à quatre pattes, par contre, comme Mommy Longlegs. Hein. Ça va, il arrive à tenir sur deux pattes pour l'instant. Bon, les go, on retourne donc dans l'atrium. Je pense qu'on a fait le tour ici. Attendez, on va quand même vérifier dans la poubelle. Non, y a rien. On est à combien là, les amis? Je sais pas à combien on est, hein. Mais en tout cas, on avance plutôt bien. Il y a même un Talking Ben qu'on va pouvoir trouver. C'est n'importe quoi. Ici, on n'a pas été. On va aller voir. Si éventuellement, il n'y a pas un petit truc. Oh, mais attendez, on repart dans le train là. Oh, on sort? What? C'est extérieur ça? Ça va? What? Les amis, on est sortis. On peut visiter devant. Oh, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est le Slender, les amis, c'est le Slender ou le Huggy Wiggy blanc. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Oh, il faut en trouver trois, d'accord. Aucun problème. On va aller voir là-bas. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans les voitures abandonnées? Apparemment pas. On va regarder un petit peu dans la forêt, là. Il y a forcément un truc dans les buissons qui se trame. Le deuxième papier a été trouvé, les amis. Je sais pas ce qu'il y a, il y a des dessins de bonhommes dessus, mais en tout cas, le troisième devrait être pas loin. Je pense qu'il est plutôt de ce côté-là. On va dézoomer comme ça. On voit bien comme il faut. Je crois qu'il est juste là, là. Oui, oui, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. J'arrive, mon pote. Et c'est bon. Alors, du coup, est-ce qu'on débloque un skin? Oui, mais c'est le Slender. C'est une mauvaise nouvelle, ça, les amis. On va vite rentrer à l'intérieur. On va vite rentrer à l'intérieur, par contre. Ah ouais, le bruit est revenu. Vite, on remonte. On va quand même l'essayer, mais je peux pas le voir trop longtemps, celui-là. Waouh. Attention, tu passes pas la porte. Ah, ah, ah. Si ça passe juste. Celle-là, par contre, tu la passeras pas. Oh, what? What? Quoi? Quoi? Comment c'est possible? Bon, très bien. Oh, le robot, il est là. Les amis, on va trouver le robot. Il est où? On peut pas te choper par là? Non, on peut pas. Peut-être de ce côté-là? Non, y a rien. Y a forcément un truc dans cette pièce, hein. On va se mettre en mode red kill pour le trouver éventuellement, mais c'est obligatoire qu'il y ait un truc, hein. Faut bien vérifier partout. Mais oui, le clavier, les amis. Attendez, on est en train de faire un petit programme, là. Voilà. Ah, il faut que j'écrive run, apparemment. Ok, run. Hop, run comme ça, c'est bon ou pas? Run code? Ah non, c'est pas bon. Si, running programme 1, running programme 2, ok? Donnez-moi le skin, s'il vous plaît, running programme 3, il y a combien de programmes? Quand c'est que ça s'arrête? Running programme 5? Ouais, ouais. Est-ce que j'ai réussi? Je sais pas, programme 7 maintenant. Oui, très bien. Bon code, Trigan. Oh non. Est-ce qu'il fallait que j'écrive vraiment toute la commande comme ça, là? Hop. Run, c'est hack, voilà, run code, on va voir maintenant si ça marche, je sais pas. Non, apparemment c'était pas ça, mais je vais quand même tenter sans l'espace, voir, parce que moi j'ai mis un espace entre les deux points et le slash. On va voir si maintenant ça fonctionne. Running programme 2, ouais. Oui, c'est bon, ça a fonctionné. Ok, ça envoie les données au serveur, très bien, ça fonctionne, y a pas la fibre apparemment à Poppy Playtime, hein. Ok, image not found. Quoi? Attendez, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce truc là? Mais oui, c'est un hacker. On peut pas voir son image. Mais par contre, il... Oh, le clavier. Le clavier tel à un arc, les amis. Et ouais, le hacker est toujours accompagné de son petit clavier pour hacker n'importe quelle personne qui se mettra au travers de son chemin. Oh. Attendez, il y a un petit bol là pour un petit bol d'eau pour un chien. Ah bah oui, il fallait s'en douter. C'est Talking Ben qui nous rejoint, les amis. Et attendez, on va aller voir de l'autre côté. Et après, on teste Talking Ben. Il y a forcément un truc là. Non, il y a rien. Ok, ils ont avancé le truc pour rien. Et attention. Oh, ça me rappelle des souvenirs d'aide. Oh, regardez. Oh. Oh, nanana. Il faut retrouver Jimmy, les amis. Le petit Jimmy est attendu à l'accueil. Oh, mais il y avait Mommy Longlegs juste derrière lui avec les yeux rouges comme ça. Ça pue, ça. Oh, attendez, regardez, on va prendre le bot qu'on cherchait là depuis tout à l'heure. Let's go! Bienvenue à toi, Boogie Bot. Je peux ouvrir là ou pas? Hein? Oui, je peux, bien sûr. Oh, c'est pour avoir le Grab Pack. Mais attendez, les amis, je crois savoir ce que je vais avoir là. Je vais avoir le Huggy Wiggy Error. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, il y avait un joueur qui l'avait. Bon, bah, let's go. On en a trois à tester. On peut ressortir de cette pièce. Il y en avait deux ici, donc c'est pas mal, franchement. On a trouvé deux, ça fait plaisir. On enchaîne plutôt bien. Et alors, attendez. C'était lesquels? C'était le Easy là, le Talking Ben qu'on n'a pas testé. Attention, c'est parti. Yes. No. Yes.
No. Ensuite, il y a le petit Boogiebot. Oh, lui, il est tellement bien parce qu'il va pouvoir passer vraiment partout. Oh ouais, il est trop classe. Et le Huggy Error. Oh, le pauvre, il est pas terminé, lui. Il lui manque un bout de bras et il y aura... Une main. Et puis un œil, il y a un œil où ils ont mis encore la hitbox de l'œil. Bon, très bien. Ça va aller, Huggy, t'inquiète pas. On va te retrouver en version normale, j'espère, ou en version de toutes les couleurs. Et on retourne dans l'atrium, let's go. Alors, on a été dans la changing room, on a été à la base... il y a la fun zone maintenant, on va aller dans le testing. Ah non, testing, c'est là où il y avait l'ascenseur. Oh, électricité, les amis. On va rétablir le power. Alors, comment ça se passe? Ok, il n'y a rien ici, on va aller voir là. Ouais, là derrière, il n'y a rien, très bien. Il y a forcément Kissimissi qui se cache ici, c'est sûr. Ah, regardez, il y a son affiche en plus. Est-ce que tu as vu quelque chose, toi? Il y a une petite lueur jaune là. On va aller voir. Il vient de nous spoil, mais what? On va avoir Sangoku Super Saiyan. Mais c'est trop génial ce jeu, les amis. Let's go. En mode Goku. Alors, il est où? Ah ben attendez, je l'ai. Ah non, je l'ai pas encore. Pourquoi ils me le mettent new? Ah, c'est parce que c'est un nouveau avec la nouvelle mise à jour. Bon, allez, go en mode Goku Super Saiyan. Oh, il est tellement classe. Let's go. Est-ce qu'on est plus rapide? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut se téléporter? Je crois pas. Mais bon, au moins, on est en mode Sangoku. Ouais, cache-toi, t'as raison. Oh, Super Saiyan, trop stylé. Bon, bah allez, go trouver la suite. On n'a plus que la cafétéria à faire, les amis. Après, on fera la petite zone verte et après, on partira dans la fun zone. Et là, on partira plutôt dans le chapitre 2, il me semble, de Poppy Playtime. Les machines de création de jouets. Bah non, c'est plus à manger, là, pour le coup, hein. C'est plus une cafette. Oh, les toilettes. Il y a forcément un petit Huggy qui se cache aux toilettes, c'est sûr, dans la poubelle, peut-être? Non. Là, il y a un petit truc rouge. Mais il n'y a rien. Oh, what? What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quoi? Je suis rentré dans le miroir. Oh! Ha! What? Il y a un truc à collecter ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qu'on va avoir là? MommyLongLegs.exe. Oh! C'est la version horreur de MommyLongLegs. Comme si elle n'était pas... Comme si elle n'était pas assez horreur. Par contre, c'était quoi ce piège là? Pourquoi on est tombé quand même? C'est quoi ce délire? Allez, on retourne dans la cafétéria. C'est parti. Vas-y, papy, avec ta canne. Trouve-nous le prochain Huggy qui se trouvera peut-être derrière les tables. Oh, regardez, il y a un truc là. Oh, il fallait le voir. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va être le Huggy vert, c'est ça? Ah non, Dad, quoi? Dad Longlegs Rock? Waouh. C'est en train de partir en délire, c'est mort, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va aller voir derrière, là, il y a forcément un truc qui se trame. Oh, c'est quoi? C'est du ketchup? Ah non, il y a un piton là. Oui, c'est un bidon. Boogiebot en mode raid. Ok, je savais pas qu'il existait celui-là. Oh, on peut rentrer dans la machine ou pas? Non, on peut pas rentrer malheureusement. On peut pas passer là-dessous. Est-ce qu'on pourrait faire des... une pizza, quelque chose? Oh, attendez. Make fries. On est en train de faire les frites, apparemment. Ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Attendez. On va faire d'autres frites. Ah, il faut peut-être en mettre plusieurs, non? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir un nouvel Huggy? Je sais pas. Non, apparemment pas. Non, j'ai l'impression que ça fait rien du tout. Bon, bah très bien. Allez, on va partir de la cafette. C'est bon. Ces frites ne sont pas comestibles. Alors, c'est lequel? Ah, c'est celui-là qu'on a eu là? Ce délire, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, what? Ils nous inventent des skins, ils sont très stylés, mais ouais, celui-là, je les connais pas, il est très chelou. Moi, de toute façon, on va l'enlever, vu qu'on va pouvoir prendre, hop, le petit grappac et ouvrir cet endroit-là avec la main verte, bien évidemment. Droite ou gauche, les amis? Droite ou gauche, est-ce que ça va s'ouvrir, là? Non. Oh. Ok, on peut continuer dans les couloirs. Oh, mais moi, je voulais aller dans la fun zone, en vérité. Alors, attendez, on va aller voir là. Allez, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ici, ensuite, on partira... Oh. Regardez, il y a Pika, les amis, Pikachu. Et juste après, on va aller dans la fun zone, évidemment. Huggy Wuggy en mode Pika. Tellement classe. Équipez-le direct. Pika, Pika. Ha. Alors, t'as quoi comme émote, toi? En mode happy? Oui, il est content. Pika, Pika. Ha. Let's go. Allez, on peut continuer. Est-ce qu'il y a un truc dans la caisse, là? Est-ce que t'arrives à sauter directement? Arrête de sauter. Huggy, plutôt Pika. Arrête ça. On peut monter par là. Y'a rien dans la caisse, apparemment. Ça sert à rien de monter, je pense. Moi qui ai quelque chose sur les conduits, mais je ne crois pas. Il va falloir ouvrir ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette caisse? Apparemment pas, les amis. C'est juste des leurres. Ça ne sert à rien pour l'instant. Il faut ouvrir là. C'est parti. Oh, ok. C'est ici que sont entreposés tout. Oh, oui, le deuxième Huggy, les amis. La deuxième peluche Huggy qu'on trouve. What? Attendez, parce qu'il y a plein de petites pièces un peu partout là. Il y a un code à faire. Qu'est-ce que ça peut être le code, les amis? Ah non, il faut payer en Robux, c'est ça? Comment ça se passe? Ah ouais, on peut pas mettre le code, oh, c'est dommage. Bon, alors on retourne ici, voir toutes les petites boîtes de jouets. Oui, il y a forcément. Oh, regardez juste là, un petit sac à dos.
Un sac à dos. Qu'est-ce que ça va être ce sac à dos? Là j'ai aucune idée. Hein. Est-ce que ça serait FNF? Peut-être? FNF? Ah non, Sarah! Mais... C'est pas... Nous on cherche pas Sarah, on cherche Jimmy. Le frérot Jimmy il est perdu. Oh, c'est tout, il y aura que Sarah ici. Je suis un peu déçu là. C'est quoi ce cube rose là, Yap? Non, il y a rien, c'est une petite qui s'y met ici. Là il y en a trois cubes. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Non. Est-ce qu'on peut aller ici? Non. Ok, on aurait fait le tour de cette salle apparemment, on va retourner... Du coup, dans la fun zone. Ok, elle est juste devant nous. Hop, on récupère le petit red kill. On se met la petite main bleue. Et c'est parti pour la fun zone. Alors, comment ça se passe? Ah, playground juste là. Et en face, c'est quoi? Ah, il faut un code. Oh, par contre, faut pas des Robux maintenant. Non, mais faut pas de Robux. Mais what? On peut pas aller au theater? On peut pas aller au théâtre? Non, c'est pas le théâtre, ça, theater. Si, c'est peut-être ça en fait. Alors, attendez. Playground juste là, ça sera plus intéressant. Wow, ok, bien joué, merci mec de m'avoir montré qu'il y avait un truc ici, vu qu'il s'agit de Mommy Longlegs en mode garde Squid Game. Allez hop, c'est parti, viens là mon pote. Oula, attendez, je me suis trompé, là c'est bon. C'est le triangle et il est tellement classe. Allez hop, on va passer par là, voir vite fait. Non, y a rien. Ok, j'ai vu un truc scintillant là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, c'est la troisième peluche les amis, c'est Huggy Wuggy en mode broken. Que nous allons tester juste après. En attendant, on va essayer d'en trouver d'autres ici. Oh, mais yes, on a trouvé les trois peluches assez facilement. Il y a forcément un truc dans la piscine à bulles. C'est obligé. Non, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien, je suis déçu. T'en as regardé dessous, mais non, je ne vois rien. Aucun skin à l'horizon. Bon, très bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. Allez, bah, c'est parti. On peut aller dans le truc à jouer. Est-ce que ça sert à quelque chose de monter sur les nuages? Apparemment pas. Ici, on a déjà fait. Ok, on va continuer pour l'instant. Je pensais qu'on allait en trouver plus, mais toujours rien. Peut-être dans cette piscine à bulles là. Non? Rien? Vraiment rien? Il y aura peut-être une autre piscine à bulles après, je sais pas. C'est obligé, hein. C'est obligé. Il y a un truc là-dessus ou pas? Non? Ok. Oh. Attendez, les amis, je suis en train de me faire troll. Vous allez me dire qu'il y a rien ici? Si! Il y a un truc! Qu'est-ce que c'est? Oh, me dites pas que c'est la limace, les amis. Ça a l'air d'être la limace, ça. Oh non! C'est bien elle! Il faut qu'on la teste. Par contre, elle va être hyper longue. Elle est hyper longue dans le chapitre 2. Oh en vrai, ça va, mais elle est trop classe. En tout cas, les amis, je sais pas. Oh, mais du coup, on va pouvoir passer là. Oh, bah ouais, trop bien. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur le chapitre 2 de Poppy Playtime, mais en tout cas, après cette vidéo, je vous conseille d'aller les voir parce que le chapitre 2 était complètement fou. Oh, on peut passer là, on peut passer là. Mais je crois que ça sert à rien. On est vraiment passé un peu partout, mais. Oh, il y avait rien. Bon, bah, allez, les amis, je pense qu'il est temps de retourner du coup à l'extérieur. On a déjà fait, je pense que c'est bon. L'entrée, c'est bon. On peut avoir retourné au train, les amis. Oh, le Play Park, c'est là où on est. Et le site 05. Ah, c'est pas là où on a été, c'est pas le même. Alors attendez, on va aller dans le train station et après on testera l'autre. Il nous reste combien à trouver là? Je sais pas, hein. Il n'y a pas marqué le nombre qu'on en a, mais on en a, je pense, la moitié à peu près là. Hein. Allez, mais direction, le train, on va aller de ce côté-là, mais je pense qu'il n'y a rien, regardez. C'est plutôt de l'autre côté que ça se passe, c'est un peu plus long. À moins qu'il y ait quelque chose là-dedans, attendez. Hein. C'est bien possible. Non, il n'y a rien du tout en fait. Alors, une grande porte rouge, celle-là on peut pas l'ouvrir malheureusement. Une grande porte bleue, toujours pas. Chapitre Location 2. On peut aller là-dedans ou pas? Oui, on peut aller dedans. Oh, regardez, c'est là où Yakisimissi. Non, c'est le Yakisimissi dans le chapitre 2, les amis. Oh, ok. Non, mais attendez, mais laissez-moi. Mais c'est que ma limace c'est trop grande en fait. Je rentre, mais ma queue touche la sortie. Ok, il n'y a rien là-bas, j'espère. On va aller directement de ce côté-là. Allez, hop. Alors, intéressant. Oui, il y a un truc là au sol. Qu'est-ce que c'est? C'est encore... Attendez, c'est une canne. C'est un bout de bois. Une branche. Mommy Long Legs en mode nature. Oh, mais c'est trop stylé, ça, c'est un truc de fou. Ah, en plus, c'était un hard à trouver. Let's go. Waouh. Ça me fait penser à au Pokémon, là, dans Pokémon, justement, qui fait l'attaque couple. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il est tellement classe. Bon, allez, on va le voir ce côté. Hop, c'est un véritable labyrinthe, ce truc-là. On aurait pu aller là-bas, mais pour l'instant, non. Ah, on peut monter là ou pas? Non, on peut pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Derrière? Non. Ok. C'est ce qu'on appelle un cul-de-sac, les amis. Allons voir de l'autre côté, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose sur les tuyaux? Non, il y a rien. Très bien. On n'a pas été là. On n'a pas été de ce côté. Ok. Mais il y a rien. Il y a absolument rien. Est-ce qu'on peut passer là-dedans? Toujours pas. Est-ce qu'il y aurait pas un Huggy Wuggy qui serait capable d'ouvrir ses portes bleues? Là, il y a une porte verte. Non, mais il y a rien. Ok. Ouais, non, en fait, faut juste... On va passer dans le labyrinthe, porte rouge là-bas, porte bleue, ça nous permet de nous repérer. Et là, les amis, on va ouvrir A. C'est ici, je pense, non? C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a ouvert quoi là? Ça a ouvert ici ou pas? Non, ça a pas ouvert là. Ça a ouvert l'une des portes, c'est sûr, hein. Mais je sais pas laquelle c'est, hein. Ah, les amis, regardez, il y a un joueur derrière le mur. Oh, mais où c'est par là? Ah, mais on peut pas y aller en mode Mommy Long Legs. Ok, hop, retour Red Kill. Et voilà. Oh, d'accord.
find the button. Ah, il faut venir ouvrir là, d'accord. Ok. Bon, on va se dépêcher alors. Il faudrait que je me transforme, comme ça je vais aller un peu plus vite. Tac, voilà. Oh, on est beaucoup plus rapide comme ça. Attendez, ça m'a retourné. On va aller voir là-bas. Il va vraiment falloir gérer là. Hop, active-moi ça. C'est bon, c'est ouvert. Oh, c'est dans l'autre sens. Parfait. Ok, c'est par là. Faut suivre le mec. En plus, je vais être plus rapide que lui parce que lui, il va à pied. Mais si lui peut y arriver, alors là, moi, je peux y arriver large. Hein. Oh, attention, bouge. Laisse-moi passer. Tac, on se met en mode red kill. Vite. Ok. Go. C'est ouvert ou pas? Non, c'est fermé. C'est quoi ce délire? Non. Pourquoi? Allez, je retente, mais je sais pas si ça va le faire. Hop, allez. Ah non, c'est pas possible. J'arrive pas à y rentrer. Bon, il y a peut-être la possibilité de l'attraper comme ça. Oh, faudrait trouver une solution. Parce qu'il y a vraiment un truc. Oui, c'est bon, je peux l'avoir. Ok, je peux collecte. Ok, c'est bon. On l'a eu. What? C'est quoi ça? C'est un clown? Le clown Huggy Wuggy, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça, en face, c'est plutôt Mommy Long Legs. Oh, mais c'est encore pire. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le skin est tellement classe, c'est juste abusé. Vraiment, tous les skins de ce jeu sont juste oufissimes. Allez, de retour au niveau du train pour la suite. Toutes les portes sont encore fermées et là, on retourne. Ah non, c'est notre station, là. Oui, c'est bien notre station. C'est effectivement un autre endroit. Ah, salut, toi, qu'est-ce que tu fais là-haut? Il y a quelque chose là-haut? Est-ce que ça sert à quelque chose de monter? Oh, regardez, il y a une petite fleur, là. On va avoir peut-être Poppy, attention. Let's go, flower normal. Oula, je le sens pas, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Non. Je suis un pot de fleurs, les amis. Mais c'est pas possible. Laissez-moi jouer tranquille. Qu'est-ce que je fais en pot de fleurs? Encore un code à mettre ici. On va essayer de monter. Ah, mais on peut pas monter en fleurs. Bah oui. Une fleur n'a pas vraiment de bras. Même moi, je les utilise même pas avec mon... Comment ils montent? Allez, c'est bon, on est là-haut. C'était pas si compliqué de monter. Oh, il y a un bouton. Est-ce qu'il va ouvrir cet endroit-là? Est-ce qu'il y aura un autre? Oh, oui, les amis, il y a une toile d'araignée, les amis. Ok, on va aller voir. Je peux y aller sans sauter? Ouais, c'est bon. Allez, go, on le prend et on va avoir un Huggy toile d'araignée, c'est ça? Ou une araignée Mommy Long Legs? Oui, c'est ça. Oh, avec les multiples yeux, ils sont tellement classe. Ok, on va aller ouvrir la porte. Je suppose, on le testera juste après. Attention, on ouvre. Alors, oui, c'est bien ça, ça a ouvert là. Ok, on y va. On reviendra tout à l'heure, j'ai peut-être oublié quelque chose. Oh, c'est l'entrepôt. Alors, fouillons les cartons. Montons? Non, ça sert à rien de monter. Alors, attendez, on va tester du coup le nouveau, le spider. Il est où? Il est juste là. C'est parti. Ah, waouh, regardez la taille du fesse. Des fesses. Et ben là, niveau yeux, on est bien. On a la multiple vision 360. Alors, est-ce qu'il faut trouver au milieu des caisses quelque chose? Un petit colis, peut-être quelque chose là-haut? Non. Pour l'instant, il n'y a rien. Je suis sûr qu'il va falloir monter. Hein. Il va falloir... voir sur les cartons d'en haut, il y a que ça. Oh ouais, le secret est bien caché, hein, parce que là pour l'instant je le vois absolument pas. Mais on va le trouver. Derrière ces petits cartons, non? Derrière celui-là, toujours pas? On peut monter. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Est-ce que vous voyez quelque chose, les amis? Moi je ne vois aucun skin. Hein. Malheureusement, ça va être compliqué. Attendez, je vais essayer de monter là, mais ouais, toujours pas. Bon, c'est la crise, là il n'y a pas grand-chose. Hein. Derrière ces cartons, il y a forcément un truc. Je vais regarder chaque étagère. Celle-là, il n'y a rien. Celle-là, y a rien. Pour l'instant, celle-là, toujours rien. Apparemment, celle-là, j'ai regardé. Et oh, c'est incroyable. Oh, ouais, je suis bloqué. Ah. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir. Ils nous ont pas fait venir ici pour rien. Ah, c'était dans ce carton. Ok, voyons voir ce qu'il y a. Que va-t-il se passer? Ah, c'est Piggy. On a Piggy, les amis. On peut plutôt Georges. Donnez-moi Georges. Il est où, Georges? Georges, il est tout rose. Il y a beaucoup de roses ici, hein. Est-ce qu'il est là? Non. Oh, celui-là, on a toujours pas le ange Mommy Long Legs. Ah, c'est bon, il était là. Oh, c'était bien difficile à trouver, hein, celui-là. Oh, c'est bon. Boum, avec la batte, trop stylé. Il est tellement classe. Bon, apparemment, les amis, pour avoir Mommy Long Legs avec les deux têtes, il faut retourner dans l'atrium. Donc, on va y aller. Mais attendez, juste avant, j'aimerais faire le tour ici. Pour être sûr que je n'ai rien raté. Parce que franchement, on n'est pas resté longtemps. Et de toute façon, le train, il s'arrête là. Hein. Oh, mais oui, mais attendez, j'ai vu. Il y avait un train Huggy à débloquer. Alors attendez, il est forcément là. C'est obligé. On va aller voir de l'autre côté là-bas. Allez, dis-moi qu'il y a un truc. Non, il n'y a rien. Il y a forcément le train qui est là. On doit pouvoir le débloquer quelque part. Mais il faut le trouver. Derrière l'horloge peut-être? Ah, ou derrière ces petits cubes? Non, il n'y a rien. C'est obligé, il y a le train quelque part là. C'est obligatoire. On peut pas partir d'ici sans le trouver. Et c'est quoi l'indice du train? L'indice du train, c'est... il est dans un secret place where only few can enter. Ah, je pense que... qu'il faut payer en fait, il faut passer derrière là, juste là je pense. Bah attendez, on va tester les amis, on va voir combien c'est.
64 Robux, ok. On va les voir. Hop, c'est parti, est-ce que c'est ça? Attention, ça va s'ouvrir. Oh non, c'est William. Mais je m'en fiche de William, moi. Je voulais pas William, je m'en contrefiche de William. Allez, on retourne donc dans l'atrium pour débloquer donc Mommy Longlegs avec les deux têtes. Mais où est-ce que ça pourrait être? Ça doit être derrière les cubes comme ça, là. Faut vraiment vérifier partout. Quelque part dans l'atrium, c'est ça l'indice. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est que dans la pièce principale de l'atrium? Ou est-ce qu'il faut aller dans les autres parties? Y a rien là-dedans? Ouais, rien. On va le trouver, les amis. Là, il y a un truc, là. C'est quoi, ça? Oui, mais il y a un truc, là. Il y a un truc de fou. Il y a un truc. Regardez, il y a un truc scintillant. Qu'est-ce que c'est? C'est ça ou pas? Dites-moi que c'est ça, s'il vous plaît. Dites-moi... Oh, c'est un coffre. Oh, c'est ça. Oh. Attendez, il est complètement fou, celui-là. C'est le plus ouf, déjà, qu'il y a une à flipper. Deux. Imaginez le truc, quoi. Alors... C'est trop génial. Salut, petit noob, avec tes bacon air. Oh non, il l'a trouvé aussi. Il l'a trouvé. Ah, on n'a pas été dans le site 05, les amis. Vu qu'il y a un indice qui me dit qu'il faut y aller, on va aller voir. Je pense qu'il y a moyen de trouver un truc. Hop, site 05. Ah, oui, on n'a pas été. Oui, on est d'accord, on n'a pas été. C'est bien l'endroit où on est dans le chapitre 1, ça. Waouh. Et alors, dites-moi qu'il y a au moins deux skins ici. Hein. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Attendez, je vais me mettre un mode red kill, on verra mieux. Hop, voilà. On sera un peu mieux. Là-dessus, toujours rien. Faut regarder en l'air aussi. Oh, on peut ouvrir ici. Oh, mais attendez, on va aller dans le conduit là, par contre. On y va maintenant ou pas? On y va maintenant? Ouais, on y va maintenant. Allez, go. Oh, attention. J'ai failli me faire brocher par le truc. Alors, y a pas un passage secret là-dedans? Il faut vraiment vérifier dans les murs. Hein. Ouais, je ne fais jamais confiance à ces murs là. Y a toujours un passage secret qui s'y trame. Oh. Attendez, les amis, on va arriver à l'endroit où on crée les jeux. Où y a les machines. Non, pas sûr, hein. Ah, c'est l'endroit où on était tout à l'heure, ça? Même pas! Oui, c'est bien l'endroit où on crée les machines! Ah ouais, mais j'ai pas fait le tour là-bas, donc il va falloir qu'on retourne au site 05 tout à l'heure pour trouver du coup sûrement un petit skin. Mais en attendant, on va chercher ici, hein, pourquoi pas? On peut retourner ici ou pas? Ah, il faut peut-être aller ouvrir. Je sais pas. Bon, allez, ok. Attendez, il y a un truc là, il y a un truc vert, qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est rien. Ah non, j'ai vraiment halluciné. Attendez, on va essayer d'aller dans la machine, voir si on peut y aller. Attention, non, on peut pas. Il y a forcément un truc derrière. Mais non, il n'y a rien du tout, en fait. Quel dommage. Bon, bah allez, comme on est à l'étage, il y a forcément un truc. Dans le chapitre 1, c'est ici qu'on avait rétabli le courant. Alors, j'espère qu'il va y avoir un petit skin, quand même, pour nous remercier d'avoir mis le courant ici. Oh, on peut ouvrir la porte en dessous, je pense. Ok, on le fera tout à l'heure. En attendant, on va aller voir le truc vert. Il y a forcément un truc là-dedans. Ou dans cette caisse, peut-être? Non. Dites-moi qu'il y a quelque chose ici. Non, on peut pas ouvrir ça, sérieusement. C'est quoi ce délire? Par contre, les amis, il y a moyen de monter derrière là-bas. Mais faut réussir à monter sur la machine rouge, je crois. Alors, on testera tout à l'heure. Oh, mais regardez. Hop, le truc vert, il est là. Ça ouvre là, d'accord. Et le truc bleu, il est là. Et ça ouvre. Ça ouvre quoi, le bleu? Je comprends pas. Ah, il y a un indice qui nous montre que... il faut avoir le truc rouge. Ah, mais quel truc rouge? De quoi il parle? Oula, j'ai du mal avec cette pièce. Hein. Est-ce que c'est les trucs qu'il faut changer là-haut? Non. Bon, allez, on va tenter de monter sur les machines. Ah, on peut peut-être monter d'ici. Ah oui, c'est bon, ça a marché. Oh, what? Oh, il faut pas toucher le truc rouge au-dessus. D'accord, il va falloir se mettre en mode limace là. C'est sûr. Attention, faut pas sauter. Ok, est-ce qu'on peut passer là? Très bien. Allez, Gomorph, limace. Il est où celui-là? Il est où ce satellite? Ah, bah au pire, on peut se mettre en robot. Hein. On l'a pas trop utilisé celui-là. Oh, est-ce que je vais passer? Oh, oui, ça passe. Ok. Alors, attendez. Là-dedans, peut-être. Ouh, j'ai failli tomber. Hop, go. Non, y a rien. On peut pas. Y a rien. Quel dommage. Peut-être là-dedans. Non. Les amis, il faut se mettre en mode limace. Hein. Je pense qu'on sera plus petit. Hein. Ah, mais non, faut monter là, d'accord. Hop, voilà. C'est bon. Ah, mais non, j'arriverai pas à passer. Mais c'est quoi ce délire? Y a rien du tout, en fait. Ah, les amis, c'est le rouge qu'on ouvre aussi. Ah, c'est par là. Ok, c'était ça l'indice, en fait, qu'il y avait écrit. C'était les petits... Oh, je suis parti où, là? Par contre... Oh. Ouais, d'accord. C'est un peu chaud l'affaire. Mais non, mais je voulais pas revenir. Mais non, réouvre-moi le truc. Attends, le vert là. Et ensuite, le bleu. Le bleu est dur à choper. Oh, j'arrive pas comme ça. C'est bon, c'est ouvert. Go, vite. C'est bon. Par contre, faudrait se morph en quoi pour réussir à faire le truc là? Parce qu'après, c'est compliqué là pour monter. Hein. Parce que là, si je vais là, si je bombe là-dedans, je reviens en arrière. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à passer. Ok, ça va. Je vais enlever le grab pack, ça me fera un petit peu moins lourd quand même. Ok, c'est bon. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir là? On dirait la fin de Poppy Playtime chapitre 1. Oh. Oh non, j'arrive pas à l'avoir, il faut sauter plus haut. Ok. On va se mettre en mode Mommy Long Legs avec. Le spider. Spider, ça saute pas très haut, hein, mais bon, au moins, c'est petit, c'est une toile. Vas-y, monte. Oh, ok,
Ok, c'est chaud. Hein. Ah bah j'y suis, hop, on passe par là, on passe par là, on monte. Mais attendez, ça finit quand? Ah, c'est là. Hop, hop. C'est bon? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est Sonic! Mais comment on va la voir? Ah, il faut réussir à monter. D'accord, on peut monter là, apparemment. Oh. Ben voilà, c'est bon, j'ai réussi à monter tout seul. Mais c'est chaud là. Est-ce qu'il faudrait pas se mettre en limace? Je vais retomber. C'est sûr que je vais retomber. Oh, c'est trop serré l'affaire. Et... Oh, mais non, c'est impossible! On va tester comme ça, mais je suis pas sûr de mon coup, hein. Oh, imagine si ça passe. Attendez, parce qu'en fait, ouais, ma hitbox elle est juste devant, donc en fait, je vais tomber. Je vais glisser. Oh, non! Allez, Pika, j'espère que toi, tu vas y arriver. Allez, mon pote! Ouais, je suis bloqué. Ouais, d'accord, je suis retombé tout en bas. Bon, ok, on va faire un truc très simple. Je vais pas remonter. On va dépenser 75 Robux. C'est parti. Ah, ben, en ce moment, les Robux, ça y va. Ça y va sur ma chaîne. Oh, en mode Sonic. Mais alors, celui-là, il est juste incroyable. Il est où? Il est où? Il est où? Je le cherche. T'es là. Oh. Alors, du coup, est-ce qu'il est rapide, celui-là? Oh, il est un peu plus rapide. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais bon. Au moins, il est très classe. Let's go. Bon, allez, cette fois-ci, on va pouvoir sortir par là. On va aller voir éventuellement dans le conduit. Et après, on va retourner, du coup, à l'entrepôt au site 05. Voir éventuellement si on peut pas trouver... un ou deux skins, peut-être, parce qu'on y est passé. On en a trouvé zéro, je crois. Donc, Wow. C'est là la véritable fin de Poppy Playtime, les amis. C'est ici qu'on va rencontrer Poppy. Mais d'abord... Oh, il y en a là-bas, mais comment on peut aller le faire? Oh, ah oui, d'accord, il faut passer par le convoyeur rouge. Bon, très bien. Alors, attendez, je vais me morph, comme ça je vais aller un peu plus vite. On va prendre Sonic, évidemment. Hop, voilà. Et c'est parti, là, ça n'en rigole plus. Alors, attendez. On peut passer par là, apparemment, on va pouvoir monter sur le rouge. J'espère, et tu sautes. Oh, Sonic. Ah oui, il saute pas mal. Oh, mets-toi sur la barrière. Hop, monte sur la barrière. Voilà. Hop, let's go. Ok. Et c'est bon, on va avoir Mommy Long Legs en mode vert, les amis, normalement. Il a l'air trop stylé. Attention. C'est parti, Mommy Long. Non, c'est en mode zombie, carrément. Ah ouais, c'est encore plus fou. Bon, très bien. Oh, attendez, on peut ouvrir, là. On peut ouvrir quoi? Attendez. On retourne en mode normal. On va prendre ce truc bleu, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça fait un pont, d'accord. Oh, ok. Bon, par contre, le temps qu'on y retourne, le pont, il sera rétracté. Hein. Et alors, attention, d'ici, normalement, ça doit le faire. Hop, je l'active. Je l'active d'un peu loin. Oula, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Non, je le sentais pas. Ah. Ah, je suis retourné au début. Je vais vite me changer en Mommy Long Legs dès que j'aurai activé le truc, parce que sinon je serai pas assez rapide. Ou alors sinon, si j'arrive à l'activer d'ici, ça devrait le faire peut-être. Oh oui, c'est bon. Let's go. Allez, hop, ouvre la porte. C'est bon. Alors attention, il y a forcément un passage secret dans les murs, je le sais. Je le sens. Non, pas du tout. Ok. Oh, je suis passé au travers. Il y avait un truc, non? Oh non, j'ai rêvé. Enfin, j'ai pas rêvé, je l'ai bien vu, mais il y aura rien sûrement. Là, il y a rien là-dedans. Ok, il y a deux portes. Ah ouais. Peut-être dans les livres, il y a peut-être un guide intelligent, l'intello. Non, pourquoi pas. On va aller voir d'abord dans cette porte, même si c'est pas la porte de fin. Éventuellement, c'est un truc. Mais oui, il y en a forcément un là. Regardez les amis, nous avons un SCP. Une clé SCP, est-ce qu'il y en a trois à trouver, c'est ça ou pas? Non, c'est bien Mommy Long Legs en mode SCP. Waouh. Alors attendez, est-ce qu'il y en a un autre avant qu'on parte? Je pense pas, franchement la pièce est trop petite pour qu'il y en ait deux. Allez, on va voir. Attention, il est où? C'est lui. Oh là là, il est incroyable. Il est trop stylé en blanc comme ça. Wow. Allez, on va pouvoir donc aller à la dernière étape. Oh, Poppy s'est échappé, les amis. Oh, mais attendez, il y a un autre truc. Il y a l'ange. L'ange Mommy Long Legs. La mort de Mommy Long Legs en direct. Let's go. Il nous en reste combien à trouver, là? 3, 6, 9, 10 à trouver. Ok. Allez, on retourne dans le site 05. Et on va aller voir. Il y a forcément un truc. Ici, on n'a pas ouvert. Alors, attendez. On va refaire le tour. Non, ça sert à rien, je pense. Ah, oh, regardez juste là. Ok, je le prends. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est l'habit d'un gars. Ah, d'accord, c'est celui que j'ai eu tout à l'heure, en fait. Celui que j'ai acheté avec des Robux. Bon, bah, ça, c'est dommage. Par contre, on peut ouvrir là. Hop, on va aller voir. Ah non, on peut pas ouvrir? Ah non, on peut pas. Faut passer par là, apparemment. Faire le tour. Oh, attendez. On va monter sur les néons, là? Non, y a rien. Ok, y a rien. Allez, on va aller voir de ce côté-là. Cette fois-ci, on peut pas ouvrir? Non, on peut pas. Ok, c'est incroyable, ça. Oh, ah, y a la porte là. On va pouvoir accéder donc au couloir et tout. Là, y a pas ça pour rien quand même. Y a un truc dans la caisse? Non, y a ça pour rien alors. Ok. Bon, bah, allez, direction cette porte. Oh. Ah, mais on a déjà été là, les amis. Attendez, je peux pas passer là. Il faut que je revienne comme ça. Ok. Oh. Y a un truc vert là. Qu'est-ce que c'est que ce délire, les amis? Je crois qu'il y avait un Mommy Long Legs tout à l'heure qui était en mode mutant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a toujours pas testé le zombie. Faut tester le zombie. Il est où? Déjà, il est où le mutant? Celui-là, on l'a pas. Il faut juste chercher du vert. Du vert. Voilà, ça c'est le zombie, ok. Oh, avec le cerveau qui dépasse. C'est peut-être le mutant, ça, je sais pas. Oh, je suis parti où, là? Je sais pas où je suis parti, là. Attends, il y a un truc au sol, on peut pas le ramasser, non? Qu'est-ce que c'est? On n'a pas été là encore, les amis.
Attendez, c'est là ? C'est là, si on y a déjà été, ok. Alors apparemment, il y a lui qui a perdu sa chaussure dans le playground, donc on va y aller, on va y retourner. C'est le playpark, tout simplement. Et il faut vraiment chercher au sol. Il semblerait qu'il y ait une petite chaussure qui est quelque part. Mais pour moi, c'est sûr, elle est dans la piscine à bulles. Hein. C'est juste qu'on l'a pas vue tout à l'heure, mais c'est obligé. Non, il y a rien. Ok. Bon, je suis de retour ici, apparemment. Il y a, alors pas celui-là. Il y en a un qui est caché, voilà. Dans les ventilations, comme ça, là. Donc il y en a forcément un. Oh, attendez, il y a un truc là. Non, attends, j'y arrivais. Oh, je peux sortir. Oh, c'est trop bien d'avoir une vue d'ensemble. Mais bon, ça ne nous servira pas pour l'instant. Il faut absolument qu'on trouve le passage là-dedans. C'est obligé, il y a un truc. Bon, j'ai pas trouvé dans la ventilation. Par contre, paraît-il qu'il y a un passage secret derrière là où on trouve l'ange. Alors, l'ange, il est où? Parce qu'on l'a toujours pas testé. Je sais plus où il est. Bah, c'est pas grave. Attendez, on verra tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Il y a un passage secret juste derrière. Poppy plutôt, pas derrière l'ange. Juste là. Voilà. Oh, il faut aller de l'autre côté, très bien. Alors comment on va faire? Parce qu'on peut passer par là, mais il va falloir sauter hyper haut. Ah, ok, il y a un petit passage là, apparemment. Oula, attends, j'ai chargé mon truc, mais c'est pas ça qui va m'aider. Ouvre-toi. Allô, ouvre-toi. Non, je sais pas. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ok, c'est bon, sautons. Vite, c'est bon. Alors, là par contre, il va falloir sortir Mommy Long Legs, je pense. Ah, l'ange, il est juste là. Ok, on le prend. Tac, hop là. Oh, mais attendez, je peux voler ou pas? Non, je peux pas voler. Non, non, c'est un piège. Je peux pas voler. Aussi ? Ah non, non, non. Il y avait, ok, il y a une petite plateforme en fait. Faut vraiment gérer pour réussir à sauter dessus. Mais c'est chaud à la faire. Hein. Attention. Go, go. Non, j'ai raté. Wow. Ah, c'est tendu l'affaire. C'est tendu. Tendu. Reste droit. Oui, c'est bon, c'est réussi. Oh, comment je vais faire? Je peux monter là-dessus ou pas? Oh, c'est chaud là. Comment je vais sauter jusqu'à là-bas? Yeah, oui, j'ai réussi. Let's go. C'est lequel celui-là? C'est le bébé. C'est le bébé, les amis. Ah non. C'est Oogie Woogie, en mode Sonic.exe. Oh, il est complètement fou celui-là. Il est... Oh, mais il est super rapide. Oh, ça va être trop utile ça les amis. Pourquoi on l'a pas eu plus tôt? Il est trop rapide, c'est trop bien. Ah ok, pour avoir celui-là les amis, on a 2% de chance de l'avoir. Donc en fait, il faut aller faire tomber les trucs de pizza dans la cafétéria. Ok, c'est juste là, il faut appuyer un maximum hyper souvent. On a une chance sur 50 qu'on y arrive. Hein. Oh, c'est juste abusé. Il faut appuyer Make Pizza plein de fois jusqu'à que ça marche. Ça y est, les amis, je l'ai eu. Avec ses frites sur la tête là. Ha, ou plutôt les spaghettis. Wow. Tu fais tout de suite moins peur, hein. Oh, en tout cas, elle est incroyable avec ses bolognaises dans les cheveux, mais c'est n'importe quoi. Oh, ça y est, les amis, j'ai trouvé une chaussure. J'ai trouvé enfin la chaussure du Play Park. Ok, attendez, on peut la prendre là. On peut la prendre. Go. Je sais même plus ce que c'est le skin. Ah, c'est Baby Long Legs. Oh, il va être tout petit comme ça. Wow, il est où? Oh, juste là. Oh, il est trop génial, le petit comme ça. Oh, trop génial, on dirait une petite araignée. Ah, du coup, j'ai pu ouvrir cette porte vu que j'avais le skin adéquat. Ok, parfait. Et du coup, il y a un truc là dans le mur. Non, pas là. Oh. Du coup, il y a forcément un skin qui va se cacher ici, mais on va pouvoir ouvrir les autres portes que je pouvais pas ouvrir au début de vidéo. Ah, c'est ça, non? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les... Oh, c'est les backrooms. Mais attendez, mais on va avoir un skin, il faut en trouver 3. Oh, trop stylé, mon Mommy Longlegs en mode tout noir comme ça, comme dans les backrooms. Oh, c'est tellement classe. Par contre, il faut qu'on retrouve les autres endroits où il y avait les portes comme ça. Ah, les amis, j'avais pas été. What, mais regardez, j'allais tellement rapidement que je sais même pas ce que j'ai fait, je suis rentré dans les toilettes. Et j'ai pu rentrer dans les égouts, surtout. On pourra trouver un truc ici, il va sauter là-dedans. Vous sautez ou pas? Ah non. Ah non, c'est pas là apparemment. Ok, il va falloir continuer de ce côté-là. C'est trop bien, je vais super rapidement. Oh, go back. Non, non, je ne repartirai pas en arrière. Non, je ne repartirai pas en arrière. Il y a une affiche. Guizombie. 1, 2. Ah d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le Guizombie? Il faut utiliser le Guizombie ou il faut sauter? Il faut, je pense, aller dans ce conduit-là. Alors, attendez, comment on va faire là? On va se mettre en mode red kill, on va sauter dedans. C'est chaud l'affaire. On va essayer d'y aller par là. Hop là, ok. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Alors, ok, j'en ai validé un. Oh, ça m'a fait sortir par là, d'accord. 2, et après, il faut que j'aille là-bas. Ah, d'accord, et maintenant, il faut que j'arrive à sauter sur celui-là. Non, non, parce que je peux monter directement comme ça, donc... normalement, hop, on va essayer d'aller faire... Ah, oh, ça doit être... je sais plus lequel c'est. C'est l'un des deux, là. Mais là, je pourrais pas y aller. Hein. Faut que je me mette en mode Sonic.exe. Hop, voilà. Tac. Oh, j'ai sauté trop loin. C'est pas grave. Oh, regardez, il est sorti par là, lui. Ok, j'ai réussi à y aller dessus. On va essayer de rentrer. Ah, ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud. Hein. Hop. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Ah non, ça me l'a pas donné. Ah, mais il est juste là-bas, le cerveau. Ok.
Comment on pourrait faire pour y aller? Parce que là, ça paraît chaud, là, quand même, d'ici. Hein. Peut-être en montant sur ce tuyau, mais je pense pas. Ah, si, peut-être que si. Alors, je vais remonter là. On va essayer un truc, les amis, mais je vous promets rien. Oh, ok, on y est presque, mais là, je sauterai jamais jusqu'à là-bas. Par contre, j'ai sûrement la possibilité de sauter d'en bas. Quoique, je saute pas très haut avec... avec Huggy Sonic, Huggy. Yep, yep, yep. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai réussi, merci Sonic.exe, let's go! Huggy Wuggy, zombie maintenant, avec un peu de feuillage sur la tête. Hop là, waouh! Trop stylé! Donc maintenant j'ai la possibilité d'ouvrir cette porte, du coup, c'est ça. D'accord! Ah ouais, mais c'est un hobby le truc après. Ah ouais! Ok, il va nous falloir Sonic.exe. Alors il est où? Viens là, toi, mon pote. Tac, hop, parfait, on y va. Wouhou, par contre, tu sautes hyper haut, mon pote. Oh là là, mais c'est juste abusé, il saute trop loin. Ah, on va pas se plaindre, mais bon, c'est ingérable le truc. Hop là. Hop là. Oula, ok. Tu fais un seul faux mouvement, c'est terminé. C'est juste abusé. Hop, hop. Voilà, c'est bon, c'est confirmé. On peut rentrer là-dedans maintenant. Oh, ok, une salle un peu sombre, on va forcément trouver un truc là-dedans. Oh, il y a un ordinateur. D'accord. Oula, on est en train de faire un truc apparemment sur l'ordinateur. C'est l'ordinateur de Josh, l'interne. Mais je sais pas trop ce qu'on est en train de lui faire, celui-là. Hop, attention. D'accord, on a débloqué Jenna Roblox, la hackeuse. On vient de hacker le PC, en fait. C'est ça. Alors, attendez, parce qu'on peut aller là. Est-ce qu'il y avait un truc là? Non, il y avait rien. Ok, parce qu'on peut continuer dans le conduit juste là. Alors, on va aller voir. C'est peut-être ce conduit-là où il y a le passage secret, là, dont tout le monde parle. Hein? On va aller voir. Non, là, il y a rien. C'est un cul-de-sac. Ok, on va aller voir de ce côté-là. Là, il y a rien. Oh. Mais où est-ce que ça va mener ce conduit, les amis? Je connais pas ce conduit. Oh, je vais me cogner la tête là, non? Non, non, c'est bon. Ok. What? Ça mène rien. On peut pas récupérer ce truc là? Non, on peut pas. Ok, on peut pas aller là. Oh, y'a un bouton. Ok, ça a ouvert quoi? Ça a ouvert ce côté là? Non, ça a ouvert là? Oui, ça a ouvert. What? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est la poupée Squid Game, les amis, on a fait la poupée Squid Game. On est bloqué. Non, on est bloqué, mais c'est pas grave, on a trouvé la poupée. Let's go. Bon, par contre, on va être obligé de se téléporter. Hop, je reviens au début. On va pouvoir tester la poupée. Oh, elle est juste là. Tellement classe. Regardez, qu'est-ce que je viens de trouver, les amis. Bonne chance pour le trouver, celui-là. Alors, les amis, il faut absolument que je retrouve la porte qu'on pouvait pas ouvrir tout à l'heure. C'est là, hein. Oui, c'est là. Ok, c'est là. C'est dans la porte à droite, il me semble. On va aller voir. Oui, c'est ça, ok. Et du coup, il faut ce Huggy avec le l'œil rouge. C'est celui-là ou pas? Je crois que c'est pas celui-là. Attendez. Ah, si, c'est celui-là. Ok, on l'ouvre. Oh, trop bien. Wouah, trop bien. C'est le Huggy. Enfin, c'est juste le train, en fait. C'est même pas un Huggy. On a le train, les amis, c'est bon. On a terminé le jeu. On a trouvé tout le scene. Il faut absolument aller le tester, mais bien évidemment. Ha, à la station de train. Alors, montre-moi ça. Chou-chou! J'ai trouvé le train, regardez-moi ça. Hop là, c'est bon, le train est réparé, les amis. On dirait un escargot. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et salut tout le monde, c'est Red qui se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la pire garderie de Roblox, dans laquelle nous allons devoir trouver, bien évidemment, toutes les nouvelles transformations de l'ours le plus méchant de Roblox. Et j'en avais trouvé 29, les amis, ensemble la dernière fois. Et cette fois-ci, nous en avons 10 à trouver, notamment... un ours tueur Huggy Wuggy. Il y a même un momie longlaise carrément. Ça va être tellement classe. Et je compte bien évidemment, les amis, sur vous. Si jamais j'en rate, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais de toute façon, je ne pars pas de là tant que je n'ai pas tout trouvé. Alors c'est parti, on va retourner à l'accueil. Alors j'ai le sprint d'activer. Ouais, c'est bon, j'ai le sprint d'activer. On va retourner à l'accueil de la garderie. Ici, il n'y avait rien eu la dernière fois, les amis. Oh, mais oui, je le savais. Roblox, t'es dit? Quoi? Roblox s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, c'était sûr qu'il y avait un truc parce qu'on n'avait rien trouvé ici la dernière fois. Ok, je suis au niveau de l'accueil, on va pouvoir tester donc la transformation que je viens de débloquer. Ça n'a pas l'air d'être la plus classe. Ah oui, c'est celle-là, hop, Roblox s'est dit, c'était un facile évidemment. Yes, avec la casquette Roblox. Oh, les boutons Roblox sur le torse comme ça. Oh. Ok, il est stylé, mais il est plutôt simple. C'est pas le plus classe qu'on trouvera aujourd'hui. Alors ici, on n'avait rien trouvé la dernière fois. On avait été derrière. Est-ce qu'il y aurait quelque chose maintenant? Ah non, il n'y a absolument rien. Il faut surtout rechercher dans les endroits où, là, par exemple, on avait trouvé le Teddy de base. Ah, d'ailleurs, le Teddy de base, je vais le montrer. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ça c'était vraiment le Teddy de base du jeu principal Roblox, le jeu officiel. Ah, un truc qui pourrait être intéressant, c'est de fouiller aux fenêtres. Ça peut être une super cachette, ça. Hein. On va aller voir à l'extérieur vite fait. Même si à l'extérieur également, on en avait trouvé quelques-uns. Donc, je pense pas qu'ils en aient rajouté. Non, ça, on avait trouvé. Ça, on avait trouvé derrière la porte. Rien. Ah, on peut rentrer là maintenant.
Builder Teddy, on l'avait pas eu. Let's go, c'est Pop le bricoleur. Ah, il est où? Oh, c'est... Attendez, il est où? Ah, il est juste là. Ok, celui-là, c'était un médium. On a toujours pas trouvé les légendaires, mais let's go. Attendez, ah ça, oui, ça c'était le farmer qu'on avait déjà trouvé. Ok, on va retourner dans la cuisine. Oh, c'est dans la cuisine, on n'avait trouvé qu'un seul, c'était au niveau de l'étoile. Ils en ont forcément rajouté un dans la cuisine, c'est obligatoire derrière. Oh, bacon, on l'avait trouvé le bacon. Pas trouvé. Si... Ah non, on l'avait trouvé. C'est un nouveau. Bon, bah, let's go, on en a trouvé deux coup sur coup, on est à 32 sur 39. Et là maintenant, on a le bacon air. Alors, bacon air, il est où? Il est où celui-là? Bacon Teddy, qu'est-ce que c'est que ça? Ils font de moins en moins peur là, hein, clairement. Attendez, parce qu'on n'a pas trouvé Yugi Wugi encore. Business Teddy, on l'avait trouvé. Hein, on va faire le tour, mais je pense qu'il va nous en rester un à trouver ici, les amis. Après, il va falloir partir dans le chapitre 2. Hein. Ça, c'était le mini Teddy, il y avait toutes les lettres. Oh, peut-être sur le H, il faut aller sur le H, il y a peut-être Yugi, non. Sur le D, non. Sur le W, on avait trouvé. Non, il n'y a rien sur les lettres, hein. Dommage. Et derrière le canapé, ah. Il y a quelque chose, mais je crois qu'on l'avait trouvé ça, les amis. Fusil Teddy, ouais, on l'avait trouvé, dommage. Bon bah allez, vu qu'on a fait le tour de la garderie, on va aller rapidement dans le chapitre 2, essayer de trouver les autres. Donc allez, c'est parti pour le chapitre 2. Alors, il faut aller dans la cave, les amis. Dans la cave, souvenez-vous, on en avait trouvé qu'un seul, alors que la cave était immense. Patchy's Teddy, on l'avait trouvé, c'était le Teddy un peu cassé comme ça. Alors attendez, je vais me mettre en Teddy, évidemment. Je veux pas rester comme ça, on se met quel Teddy, les amis? En Teddy, Piggy? Ah non, mais je l'ai pas le Piggy encore. Oh, mais c'est-à-dire qu'il y a un Piggy à débloquer. Oh, let's go, ok. Bon, allez, on va prendre un nouveau, on va prendre le Builder. Allez, c'est parti, on va dans la cave. Alors, poupidoupidou. Maintenant qu'on est dans la cave, il y en a forcément un, hein, parce qu'il y en avait qu'un seul, c'était le Sonic. Et là, dessous, oui, c'est sûr, il y a un truc. Oui, il y a un truc, c'est Mommy Longlegs. Les amis, on était passé ici la dernière fois, on n'avait rien trouvé. Et là, let's go. Par contre, j'arrive pas à le ramasser. Ah, si, ça y est. Je crois qu'il fallait faut peut-être se mettre en baby pour l'avoir facilement. Ok, il faut que je me mette à la lumière. Voilà, là, il y a un peu de lumière. Oh, c'est sûrement l'un des plus stylés qu'on va trouver aujourd'hui, les amis, avec... Il est trop bien fait. Il est incroyable. Salut, Mommy Longlegs. Montre-nous tes longs bras. Waouh. Ça fait bizarre, franchement, de voir cette tête sur Mommy Longlegs. Elle ressemble pas trop à ça au niveau de la tête, hein, mais waouh, trop classe. Bon, oui, je garde espoir, je pense que dans la cave, il y en a un autre. Ah, regardez, il y a un truc au fond là-bas. Oui, il y a un truc, les amis. Par contre, on peut pas y accéder en Mommy Longlegs. Il faut que je mette en red kill, je pense. Attendez, on y va. Doll Teddy! Doll Teddy, qu'est-ce que c'est que ça? Morph! Ah, c'est celui-là, là, il a pas d'image apparemment. Doll Teddy! What? Ah, oh, c'est. Quoi? C'est. Attendez, la lumière! C'est la poupée de Squid Game! Mais what? Vraiment? Je savais pas qu'ils avaient mis ça. Il faut qu'on se mette à la lumière. Mais non! Ah, ils ont oublié la petite barrette rose, violette, dans les cheveux, mais c'est pas grave. Oh! On a la poupée de Squid Game! Let's go! Ouah, c'est tellement stylé. Ok, il nous en reste 5 à trouver. Il y en a forcément. Je dis. Ah, ben là, il y a une batte. On l'avait eu. Mais non, c'est Pig! C'était dit, les amis, mais je suis fou, moi, j'ai complètement oublié. Wow! Alors là, du coup, vu qu'il a un peu la même forme que Piggy, on dirait vraiment Piggy pour de vrai, quoi. Mais let's go! C'est un petit peu comme dans Sonic Morph. On a le Piggy comme ça avec la batte. Tellement stylé. Bon, allez! Cherchons Yugi Wugi maintenant. Il faut trouver Yugi Wugi. Peut-être dans la maison, là-haut. Hein. Ouais, il est peut-être dans la maison. Attendez, c'est quoi, ça, là? Non, c'est une pierre. c'est rien. Il y avait dans la forêt aussi, on avait trouvé un truc dans la forêt. Mais je pense pas qu'ils aient rajouté un truc. Ouais, il y avait ça. Il y en a peut-être un autre, hein. Donc, faut faire attention. Hein. Il faut vraiment... Faire attention, même si on n'y voit rien, on essaye de trouver quand même. Peut-être qu'ils ont ajouté un truc dans la cheminée, hein. On va aller voir. Il n'y avait rien dans la cheminée la dernière fois, hein. Il y a moyen qu'ils aient mis un truc. Hein. Bon, allez, on va voir. Ok, là, il n'y a rien. La cheminée, on peut y accéder ou pas? Non, on peut pas y accéder, hein. Je veux Yugi Wugi. Dites-moi où est Yugi Wugi. Alors, un truc qu'on pourrait tenter, les amis, c'est d'aller dans la cave. J'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Oui, il y a un truc. On va aller voir. On va aller dans la cave et on va aller dans le petit tunnel là où je vous ai montré. C'est là où on avait trouvé le Sonic et il y a moyen qu'ils aient rajouté quelque chose, hein. Alors, attendez. Hop, reset. Ah, mais je pense que c'était rien. C'était juste une pierre que j'ai vue. Le Sonic, il était juste là, je crois. Hop là. Ouais, il était là. Sonic Teddy. On va aller voir ici, nous. Ok. Ah. Ils ont forcément rajouté un truc ici. Parce qu'ils ont même pas réparé. On peut sortir. Ah, là, si, ils ont réparé. Voilà, c'est bon, on peut plus passer. On peut plus sortir de la map. Allez, dites-moi qu'ils ont rajouté quelque chose ici. On pouvait monter là ou pas? Ah, ouais, on peut monter. Ah, ça veut dire qu'on peut passer là dans les arbres. Waouh. Ah, mais y a rien. Hein. Y a rien du tout. Dommage. Et là, par là? Oh, y a un trou. Non? Oh non, y a rien. Oh, je suis tombé. Ouais, non, mais ça mènera à rien de toute façon. On a toujours pas trouvé le garde des Squid Game quand même, hein. Sachant qu'on avait la poupée des Squid Game juste là, est-ce qu'on aurait pas le garde pas loin? Franchement, c'est obligé. C'est obligé qu'il soit pas loin, le garde. Un petit truc rouge. Faut juste trouver un petit truc rouge.
Une capuche, un truc comme ça. Alors apparemment, les amis, le Rock Teddy serait caché dans cette pierre, mais j'arrive pas à la voir. Je marche dessus, mais ça marche pas, hein, attendez. Je vais mettre en mode red kill. Oh non, je peux pas la voir, il est juste là, le Rock Teddy. Non, non, c'est pas ça, il y a une astuce où en fait, il faudrait se mettre là, oui, pour la voir. Ok, en fait, il y a un bug. Voilà, c'est ça. Rock... Oh, mais c'était impossible à savoir. Rock Teddy. Waouh. Oh, la galère pour le trouver celui-là, il fallait une astuce. Hein. Ok, alors c'est le Teddy de base. Ah, j'aime bien la matière en roche comme ça, là. C'est très classe. C'est le Teddy de base en mode roche. Bon, ok, très stylé. Alors, apparemment, les amis, Huggy Wuggy se cacherait bel et bien dans cette forêt. Alors, nous allons la ratisser comme on l'avait fait la dernière fois. Alors, ok, ah oui, il y a la barrière là. Il y avait ça qu'on avait déjà trouvé. Il faut qu'on le trouve, les amis. On va ratisser la zone, je vous le dis, moi. Ah oui, mais en fait, on peut pas aller plus loin après. Hein. Ici, ici, là, 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 là. Oh, j'accède à quoi là? Oh, oh, il y a un passage, les amis. Il y a un passage. Non, c'est pas là? Non, il est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, il faut peut-être se mettre en mode red kill hein, pour être plus petit. Et bon, oh, oui, il est là. Oh, let's go! Yes! Oh, je suis sorti de la map! Je suis sorti de la map! Ok, on va vite rentrer avant de tomber. Oh! Wow, attendez, il faut qu'on le teste. Par contre, celui-là, il va être stylé et ça va être mon. Oh, oh la tête qu'il a, quoi! Regarde, mec, j'ai trouvé Huggy Wuggy! Wow, ce délire! Attendez, on va retourner dans le chapitre 1 histoire de bien le voir. Oh là là! Salut tout le monde, c'est Huggy Wuggy, il n'y a personne. Tout le monde a peur de moi. Oh, est-ce qu'on peut pas faire peur à quelqu'un ici? Non, il n'y a personne, il n'y a plus personne ici. Et donc il nous reste le garde des Squid Game qui, il semblerait, se situerait, les amis, dans la salle de jeu, à ce qui paraît, mais pourtant, on a tout ratissé tout à l'heure, hein, c'est ça que je comprends pas. Ah, on n'a pas été dans le tunnel par contre. On va aller voir. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut pas rentrer. Il faut se mettre en mini Teddy, non? Allez, on redkill, on passe. Oh, oh. Oh, Squirt Teddy, go, 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 c'est ça? C'est le Squirt Teddy? Yes! Ok, il faut qu'on le teste. Ok, c'est officiellement mon préféré. C'est mon préféré, c'est sûr. Oh! Je suis un garde de Squid Game. Va direction, je l'ai. L'un, deux, trois soleils, c'est parti, Isabelle, vas-y. Ouais! Les amis, nous avons donc trouvé les... Ah non, il nous en manque une. Ah ouais, c'est le Snow Teddy qu'on n'a pas trouvé. Alors, Askip, il est... Mais on est passé dessus tout à l'heure. Mais c'est de la neige, je croyais que c'était une pierre. Oh non, il est là. Wow! Ok, bon, bah, on finit sur le Snow Teddy, les amis. Oh! Ah, il a une petite queue sur la... Il est stylé, en vérité. Il est très classe. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est que dès qu'il y a une prochaine mise à jour de Teddy, je vous le fasse sur la chaîne. C'était un super jeu. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et bye tout le monde!